Bon, t'es prêt pour le lancement? Ouais, bah ouais. Moi, ça va. J'ai mis ma voiture au garage. Ça y est, je me suis pour. Encore? Voilà. Bah oui, parce qu'il faut que cette fois elle passe le contrôle technique. Et voilà, et c'était trop. C'était le truc, c'était l'idée de trop, tu vois. C'était l'idée de trop. Ta bagnole est morte, hein? Disons que j'en ai pour 1400 balles, quoi. Donc, si je sais pas vous comment voulez je vais que faire, le je vais pas reporter mourir. soit immobilisé, envoyez des. Alors voilà, je sais pas comment je vais faire, il faut que je trouve une solution parce que c'est pas possible, j'ai pas 1400 balles à balancer comme ça. Bah, c'est une cata ta voiture, 1400 C'est balles, une limite catastrophe, t'en rachètes mec. une autre. Je me demande si je vais pas acheter une autre bagnole en fait, parce que je crois que ça me reviendrait moins cher. Bah, franchement, avec toute la maintenance que tu fais dessus depuis que tu l'as, je pense que oui, ça te revient vraiment cher Ah peut-être bah là, d'avoir une. j'ai déjà dépassé le coût de la bagnole. Putain de Ça, merde! c'est sûr. Je pense que j'ai le doublé, même. Je l'ai doublé. Et là, Oh si, la vache! je pense que je le quasi triple. C'est assez chiant, ouais. Ah ouais, non mais c'est trop! C'est beaucoup trop! Saitam, il a pas sorti son apéro, putain. C'est le Ah d'ailleurs. moment, quoi. D'ailleurs, il est où, Rafiki? C'est vrai qu'il Il a était là encore un dernière fois. apéro, c'est ça? Bon, je pense que je Bah vais on aller avait déjà rejoindre fait la ici, du collecte coup on avait d'objets juste à ouais, donc. partir Ah oui, c'est et aller vrai! dans la map de base, enfin C'est la map exact. principale. Oula. Vent Oh pompier, ce non! reporter. Ouais, peut-être, je ferais sûrement ça, hein, je pense. Bah j'ai faim. Stop! Stop! J'ai fait une bêtise. J'ai lancé mon GeForce sans faire exprès. Il veut pas sortir. Oui, je te vois marcher en boucle. C'est pas grave, là le temps qu'il reconnecte, je vais lire un peu le chat. Chroniqueur a chopé un oiseau de combat depuis le dernier stream. Oui! Oui, et d'ailleurs, il faudra trop que je vous envoie une photo. J'ai pris une photo avec l'oiseau, elle est cool. Ah oui, c'est vrai. Bah pourquoi là je peux pas quitter? Qu'est-ce qui se passe? Attends, contrôle Alt Sup, même pas. Ah, c'est bon. Ok. Hop. Bah. Ok. Qu'est-ce qui se Ok. passe-t-il? Je sais pas si vous m'entendez, là j'ai un retour Windows assez violent. Ouais, bah, je vois bien qu'il y a des soucis. Alors, hop, Mais on t'entend, on ouais. va reprendre. Voilà, c'est bon. Putain, je vais mourir de manque d'oxygène. Allez. J'avoue. Voilà. Faut prendre en compte les changements et les gestions de la manière avec laquelle ça se trouve, ça vaut pas le coup de penser longtemps. Non, mais de toute façon, ça vaut déjà plus le coup. C'est clair, c'est clair. Hein. Ça vaut déjà plus le coup depuis des années, surtout que c'est un diesel. C'est une Clio 2, voilà. C'est la YouTube Money, c'est la Clio 2. On va sur le. Putain, si c'est ça la YouTube Money. Non, je pense on fait même pas encore un plein avec avec la YouTube Money tellement l'essence est chère aussi. Attends, on va sur Terra Nova. Vas-y, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Putain, mais cette musique, ça rend tellement cette expérience cheap. Faut achever ta titine à ce niveau-là. Bah oui. Oui, mais je fais comment après? J'ai plus de voiture, c'est ça le problème. Moi, ça me dérange pas en soi, mais le problème c'est que derrière j'ai pas de bagnole. Parce Mais que c'est soit alors, payer 1400 balles pour la réparer, elle soit passe pas le en contrôle acheter une autre qui technique, sera. hein. Mais est-ce qu'elle Hein? roule? Elle roule, mais le truc c'est qu'il m'a dit franchement c'est dangereux votre amortisseur là. Prenez un dodan, je pense que ça va très mal se passer. Ah ouais, à ce point. Ouais. De toute façon, rien que pour le toit qui tombait sur ta tête, je l'aurais lourdé la Et ça, il bagnole. m'a dit, je peux même pas le. Il m'a dit ça, je peux même pas le faire. Ça. C'est fou ça. Il m'a dit, faut aller dans un truc de céleri ou je sais pas quoi. N'importe quoi. Ouais. Je suis Solidaire, de j'ai une ouf. Twingo 2. Bon, on va. J'ai une Dans le Twingo 2. Ah garage. putain, ouais, bah, ouais, solidaire. Par où est la Enfin, navette? ça va être le J'ai club envie des de faire bagnoles les de mer en rodus, fait. faire que des vignettes. C'est ça. Que la navette a été suspendue. Moi, ça fait des années Fallait que j'ai la plus de démonter. voiture. J'ai Ouais. bazardé la Et là, mienne j'ai parce une que je autre suis à qui côté des arrive. transports, donc Il doit y avoir pas des trop registres discuter. détaillés quelque part. Je vais regarder dans le vaisseau. Enfin, surtout, c'est impossible de circuler par chez moi en bagnole, c'est l'enfer. Trop chiant. Ah bah oui, normal. Ah oui, je suis venu chez toi. 93 en voiture, Quel enfer. c'est trop chiant. C'est trop là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de potes qui viennent chez moi, ils disent à chaque fois ouais trop relou, il n'y a jamais de place pour stationner. Il n'y a limite même pas de place pour rouler en fait. Je dis top, alors les planches de BD, pour donner envie de lire la suite. Ah ça y est, vous reparlez de l'île du docteur Moreau.
l'île du Dr. Moreau. Du coup, j'ai de plus en plus envie de regarder ce film. Je pense que je le regarderai avec. C'est pas le, bah c'est pas le film de. Avec Marlon Brando et Val Kilmer. Ah oui, non, oui. Mais il y avait pas. Merde, comment il s'appelle le mec qui a fait. C'est l'usage. Eh bonsoir, Zax. Ouais, il y avait un troisième gars qui était cool, tu sais. Ron Perlman et Masque d'Acasco. Marc d'Acasco, je pense. Masque. Moi, je préfère Masque. Masque d'Acasco, ok. Ouais. The Masque d'Acasco. Ça sonne très Dr. Mengele, on dirait. Dr. Moreau, vous connaissez pas l'île? Tu connais pas Saitama, l'île du Dr. Moreau? Il évite des monstres et tout. Mais je sais plus, c'est pas. Comment il s'appelle le. Qui a fait. Le mec qui a fait la couleur tombée du ciel qui devait en faire un. Sérieux? Oh bah franchement, qu'il s'y mette, hein, parce qu'il était génial son film. Bah en vrai, il a été. Ses films ont, de Lovecraft, ouais, enfin ses films d'adaptation de Lovecraft ont été annulés. Ça, c'est une situation. Des accusations de violence conjugale et de violence sexuelle contre sa femme, je crois. Ouais, c'est pas bon, ça, comme histoire. Ouais, derrière, ils ont dit on arrête. Comme tu veux, chérie. Oh, pardon. Sortie des propulseurs. Oh, il paraît sans mille. En croisière et demi. Merci d'avoir voyagé sur le Terra Nova. Mais c'est Donald. Donald Renew. Tchaikovsky, salut l'amiral. Tu reconnais pas sa voix? Non, je l'ai pas reconnu. C'est à vous de jouer. On déploie les vaisseaux. Terminé. Mais merde, non, attends. Redonnez-moi Donald Renew. Bon, attends, écoute. Attends. En attente de décélération. Okay, bien, corrigez-moi si je me trompe, hein. Bien reçu, Val. C'est pas Donald Renew, ça? Appelle-moi commandant. Comme tu veux, chérie. Sortie des propulseurs. Ah, putain, oui. Mais oui. Ah, trop bien. Ah, c'est quoi ça? Ramasser. Difficile de... de rater sa voix, hein. Putain, j'avais pas reconnu, très bien vu. Oh. Des fois, il y a des trucs qui sont hors de portée. Hein. Tu peux utiliser la télékinésie pour les récupérer. Sérieux? Ah, ouais, là, il y avait un truc ici. Là. Ah, bah, ouais, j'avais réussi à le choper. Mais... Alors, allons voir ce vaisseau. Bonsoir, Aski. Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Là, il y a de la casse. Spider-Man dans Dead Space. Moi, Donald Renew, pour moi, c'était d'abord Titeuf. Franchement, c'est quand même un peu réducteur de. De le connaître, bah, c'est avant tout, je pense. C'était avant tout Titeuf, tu vois, pour moi. Ensuite, ça a été. Spider-Man, non, parce que moi, en fait, du coup, c'est le doubleur de Spider-Man maintenant, mais je crois que j'ai pas vu un seul des Spider-Man. Avec Andrew Garfield. Ouais. Alors, qu'est-ce que. Même les nouveaux. Non, les nouveaux encore. TJ dans la cour de récré. Oui, tout à fait! TJ, putain! Oh, mais oui, putain, c'est vrai que je le regardais pas trop la cour de récré, mais... ouais, c'était sur Disney Channel. Oui, ouais, j'avais pas Disney Channel. J'étais pas le câble. Oh. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. Je vais mettre notre traceur à jour. Dites-moi seulement si elle pourra nous emmener. Si on arrive à la remettre en état. Trop stylé, ces armures. D'après les analyses... Speed Herman, je connais pas cette version. Comment ça, on peut pas changer la voix du stream? Ah bon? Ouais. Ah, ça la change plus. Ça va le faire. Ah bon? Ça a pas marché? Pourtant... Sur la 3, le dimanche matin, la cour de récré. Ah non, je regardais pas la télé le dimanche matin non plus. Attends, je vais reload. Ah. Le chroniqueur n'avait jamais fait les autres Dead Space. Bah si, j'avais fait les deux autres Dead Space, mais pas le 3. Attends, j'ai fait 3, j'ai un petit souci. Ah okay. Ouais, j'ai un petit souci de... Bah tu sais quoi, j'en profitais pour baisser le son du jeu un tout petit peu. Parce que vous me dites que c'est un peu trop fort peut-être. J'ai un petit souci, ça devrait marcher. Sortie audio, ouais, sortie des effets. Je crois que j'étais déjà à 40 la dernière. Ça devrait être bon hein, là. Hein. Ouais, c'est plus... Si on peut plus changer la voix, je me casse direct. C'est bon, j'ai réparé. Ah là là, il a réparé. Oula, oula, oula.
Oui, d'accord, ok. Ça part, ouais. Ça part envoyer deux trucs en même temps, là. Non. Plus tu comprends pas ce que je t'ai dit, là, du coup. Je parle dans le vide, c'est ça? Non, 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 on t'entend. Ok. Quoi, ça connaît pas F3X, le choc des héros avec le marathon des dessins animés d'essai? Bon, non, du coup j'avoue que je connais pas spécialement. Je connais pas F3X. Alors, en parlant d'agression sexuelle, là, je sais pas si t'as vu mes trucs qui sont tombés sur Léo Grasset. Sur... Oulala, non, non, pas Léo Grasset, pas lui. Ah, mais ça va pas. C'est quoi ce flipper de l'enfer? On peut même pas jouer en plus. Trop nul. Ouais. Non, pas mais Léo si, Grasset. Ouais, ouais. Arrête. Léo Grasset, si. Si, si, si. On peut pas y croire. On va peut-être jeter des merdes. Bah, c'est des accusations, hein, mais... Présumption, oui, mais c'est dommage, mais... toujours. Ouais, c'est pas beau. Ouais, ouais. J'ai lu un peu l'article, c'est un peu triste, quand même. Hein. C'est un peu triste, hein. C'est moche, ces histoires. Ouais. Attends, excuse-moi, mais comment on jette des trucs dans ce jeu? Comment ça, jeter? Ah, bah tu cliques dessus, puis ensuite tu fais jeter. Mais... choix. Ah. D'accord. Eh, tu fais pas d'effort, hein, quand même. Bah oui, mais bon, je sais pas, je me suis dit, ça va peut-être le choisir pour l'utiliser. Je pensais pas que ça serait choisir pour une action. Bon, allez, ça ira. Hop, quitter. Voilà. Mais, enfin, c'est une échelle, c'est pas la mort. Dans les clips, on entend bien Jérôme, la voix de Logan est tellement faible qu'on entend pas du tout. Ah, ouais. C'est parce que j'ai pas le bon micro encore. Ah ouais? Attends, attends, bouge pas, je change de micro. Attends, par contre, pourquoi moi je peux pas descendre? Où est le problème? Tu serais pas genre en bas de l'échelle? Non. Non. Mmh. Je peux pas descendre alors. Est-ce que c'est mieux là, ma voix? Bon, moi j'entends très bien. Dites-nous si c'est mieux. Je suis même pas en bas de l'échelle en plus. Appuie sur E peut-être. Non, mais je veux pas. Je parie, est-ce que c'est pas une... Pourquoi? Attends, pourquoi je suis bloqué en mode visée en plus? C'est le droit. Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Partenaire a besoin de noces. Ah, voilà. T'es obligé de me mettre dans le coin là. Voilà, regarde ce que tu m'obliges à faire. Ça commence très bien sur la... franchement, on a vu pire, hein. Voilà, c'est le problème de son, ça parle d'agression sexuelle. Putain. Non, 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 ça... Oh, bah, quoi ? Ah, j'avais oublié à quel point ton flingue, il était surpuissant, c'est exagéré. C'est beaucoup de fringues. Qui apprend ça? Qui apprend ça? Et ça? Et ça? Et puis ça et encore ça? Ça doit venir de Shroom. On t'entend plus du tout dans l'équipe maintenant. Ah ouais, d'accord, c'est des maisons en fait. Remonte. C'est quoi ces bêtises? Ouais, c'est pas fini grave. Ces bêtises là. Reporter a raison, c'est Richard Stallman qui devait faire vite. Ah mais c'est bon. Des éviscères. Putain, mais il a fait les films couleurs aussi. Je vais faire d'autres films. Je vais faire l'horreur à Dunwich. Et un autre, je sais plus lequel. Pas les montagnes dessinées. Je vais en faire un autre. Et du coup ça fait pas. C'est le cauchemar d'une fois. Et du coup ça a été annulex. Et ça me rend un peu triste parce que je... partout de film comme la couleur tombée du ciel. En fait. Ça aurait été vachement sympa. Pourquoi? Pourquoi putain? Pourquoi il fallait que tu tapes ta femme espèce de connard? Putain. Tu pouvais pas être... Qu'est-ce que tu vas dire? Je crois que tu vas glisser là. Non, non, mais je vais dire, genre, tu peux pas, genre, essayer d'être talentueux sans être un connard. Ouais, c'est ça. Putain. Je savais pas trop comment le formuler. Connard, quoi.
C'est pas possible. Une réclamation, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Oh, le petit un drone. Petit ou un petit robot. C'est comme un petit chien qui va te chercher des ressources, sauf qu'il est en métal. Petit tout froid. Chien. Un petit ouais, chien. Par contre, pourquoi c'est toi dans la cinématique? Je suis un peu jalouse. Hein. Parce que je suis arrivé avant. Ah d'accord. Du coup, moi, je te regarde et je me dis, ok, il a un drone. Tu vois comment ça, comment on s'en sert? Non. C'est ton petit machin d'en haut là. Là tu prends un petit machin d'en haut. Tu as la molette. La moulette. Ah oui. Voilà. Et ensuite tu cherches en fait et dès que ça fait un... En fait ça va faire un bip dès que t'entends, dès que t'es proche d'une zone où ça peut chercher. Pardon. Bon là pour l'instant ça fait pas. En tout cas pour moi. Ah, ah tu peux le poster là. Ah d'accord. Ah là, c'est... Bon alors. Et ben. D'accord Saitam, bah écoute, bisous, bisous, à bientôt, merci d'être passé. Ça roule Saitam. Passez une excellente soirée. C'est l'horreur d'alien, non? Bon, pas très inquiétant. Non. Non, mais ce qui nous donne des ressources. Wow. Ah, c'est bien. J'ai couru le groupe de l'enfant. Ah oui, ouais, effectivement. Putain, mais t'as un arsenal en plus. Oh, volant. Planté comme ça. Oui. C'est très bien. Oui. Oh la vache. Il m'a fait flipper ton cri. C'est pas moi. C'est pas toi. Non, bah non, je l'ai muté après, mais. C'est lui qui a crié. Ah, je voulais récupérer le truc pour l'envoyer sur un zombie. Non, c'est interdit. Puisqu'il y a des nécromorphes et des zombies dans Dead Space 3. Des zombies. Des zombies. Merde. C'est vraiment ma citation préférée de... De tout la série Call of Duty. Des zombies. Des zombies. Ah oui, on en parle plus. Minable. Pathétique. Pitoyable. Allez, ces petites ressources. Il y a un Etablix. Oh non, pas un Etablix. L'Etablix. Qui fait ça? Ça suffit enfin. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Foutaise. Complètement inutile. Foutaise. Complètement inutile. Le retour des Big Mac avec des pâtes. Les petits hamburgers avec des petites pâtes. Bah oui, on va continuer, j'imagine. Alors, fabrication d'armes, schéma amélioration d'armes. On va bien améliorer ce truc. Pic de télémesure. Bof. Ici, je mettais explosif. Schéma fabrication d'armes. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Découpeur plasma. Découpeur plasma, fabrication de nouveaux outils, je ne peux rien fabriquer. Attends, je vais tirer, je vais essayer de voir si ça marche bien. On va voir si c'est bien. Bloc hydraulique. Pic télémesure. Qu'est-ce que c'est que ça? Bloc moteur hydraulique. Attends, mais c'est bugué ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que j'utilise. Je comprends pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce que quoi? C'est quoi? C'est ton arme, hein? Ouais, je sais pas. Explosif MK2. Appliquer sa fonction pour le dernier tir. Ah, non, c'est pas ça que je... Ah, je peux enfin fabriquer un embout. Dispersion. Un embout. Compact. Oh bon non. Embout supérieur. Ces embouts s'adaptent. Oui mais non. Embout par défaut. Aucune pièce à fabriquer. Bon bah écoute, j'ai rien à faire dans l'établi. Ce sera l'année prochaine, tant pis. L'année prochaine?
C'est dans longtemps. Je te vois, pourquoi on est que 8 sur un contenu d'une telle qualité? Bah peut-être parce que Ah bah je sais pas. Dites-leur. C'est oui voilà, il faut leur dire hein. C'est nous on se donne du mal là. Jouer à Dead Space, à torture. Ouais, hop, j'arrive. Ouvrir. Peut-être recharger. En vrai, je pourrais recharger au moment où tu te fais attaquer, mais je me dis, je vais peut-être recharger avant cette fois-ci, histoire de me changer un peu. Oh. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? C'est une porte que j'avais ouverte, qui s'est fermée. Voilà. Non, c'est faut la ouvrir. Non, non, c'est le cadavre qui glitch dans tous les sens. Avec les bruits du gemel. C'est de l'ordure là. C'est le bruit qui fait ton cutter placement. C'est un bolter. De ouf. D'ailleurs, j'ai fini Battle Sisters. Il y avait des micros à la fin. Il tire pas dans le vide. Mais lui tire pas dans le vide. Oh. Oh bah. Oh, t'as tiré dans le vide. Mais c'est. Alors, ça fait. Oui. Non. Ah. Arrête. Dans le tiens. Voilà. Ah, je me souviens de cet endroit. C'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Reste en bonne nouvelle. Pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire par ici que ça? Qu'est-ce que c'est? Faut faire venir le tram. Terra Nova. Oh oui, je me souviens. Veuillez vous adresser au berceau pour éliminer cette obstruction. Faut s'adresser au berceau. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a quelque chose qui bloque le tram. Oh, il pousse dans tous les sens là. Merci, Bucal. J'irai voir ça. Marche pas très bien cette station, hein. Vas-y, mais va clipper ailleurs, là. Mon immersion. Ah, il clippe pas du tout, de ce que je vois. Ouf. J'essaie de le couper encore plus. Cutter, il fait moyennement le taf, non? C'est parce qu'il l'a pas en version légendaire. Non. Non, il est pas très puissant. En même temps, j'ai pas trop de quoi l'améliorer pour l'instant. J'ai pas beaucoup de quand tu payes. Ah bah oui, c'est ça, il faut que je donne de l'argent à EA, ils en ont tellement besoin de mon argent. Les pauvres. Les toi pauvres. Tu ne soutiens pas les petits gens. Tu ne soutiens pas les petits studios comme EA. Ouais, ça... Oh ouais. Ah putain. C'est tiré sur les tentacules. Ah, c'est ça. Ouais. Ah! Ah! Il est écrit sur ce truc-là. Je pense qu'il vient de lui mettre. Ah, il faut vraiment viser le. C'est bon? Oula! Ah oui, là, ça commence à clipper. Ouais, bah, ouais, de ouf. Ah, pièces détachées, c'est important, faut prendre. Donne ça, tu vois, c'est plein de pièces justement là qui... Ça, c'est plein de trucs avec. Ah, j'ai du chien, pardon. Moi, c'est marrant parce que j'ai pas du tout ça. Pièces détachées, bah, c'est plein de pièces, du coup, hein. Plein de ressources. Ouais, ce petit développeur indépendant, mais il va clipper ailleurs, mon immersion. Très bon. J'arrive pas à prendre la VF au sérieux, vu que c'est le même doubleur que Ryan Reynolds. Ah oui. C'est pas de sa faute. J'ai pas exprès. Il est spécial. Et pourtant, j'ai spammé la taverne, j'ai spammé l'annonce et tout ça partout. J'ai pas d'explication de pourquoi ils sont voilà. Je crois que les gens s'en battent les couilles de nous en fait. Et c'est pas grave. Ouh je l'ai accepté. Oh, ça fait si mal. On accepte. On a vu les dernières vues sur Kedara. On sait que vous vous en foutez. On sait que vous nous chiez. La tristesse des dernières vidéos en vrai. Non, la prochaine, moi je sais. Moi je dis. Prochaine, je vous prévois un bon interview.
On verra. On vous kiffe, mais non, mais on rigole. On se prend pas très au sérieux. Non, mais en plus, la prochaine, l'accélération prochaine, moi je pense qu'elle va bien marcher. Et je pense qu'elle va vous plaire. C'est vrai qu'il y a des. Elle m'a fait très rire, moi. Il y a des gags très cultes dans la prochaine vidéo déjà. Ouais, ouais, elle m'a fait très rire et je la trouve très sympa. Je la trouve très sympa. Vraiment, je suis très content de cette vidéo. Ah, j'imagine que moi je vais faire le jeu pendant que tu. Bah ouais, vas-y, bah je vais tuer les gens. De toute façon, c'est moi qui ai les armes. Je comprends pas, c'est quoi. Enfin, c'est pas que t'as pas d'armes, mais. Enfin, tu vois, on se comprend quoi. T'as des meilleures armes. Personnellement, s'il te plaît. Mais alors. Mon fusil à pompe, il est si efficace. Il a une portée de bâtard. Tu t'en sors sur ton puzzle. Je comprends pas le principe de ce puzzle. Qu'est-ce que tu veux de moi? La reine 2 s'est pété. Exceptionnel. Le fusil à pompe là il s'est transformé en fusil à pompe d'Aloin. Là j'ai le combo fusil à pompe d'Aloin avec le pistolet d'Aloin. Ah merde! Pas besoin de mettre. Avec ces histoires de puzzles. De quiz. De puzzles. Mais avant tout, à quiz. Ah! J'ai plus de place dans mon inventaire. Voilà. Bon. C'est donc ça, être ingénieur? Ouais. C'est facile. La vie d'ingénieur. Franchement, vous êtes payé très cher pour appuyer sur un bouton, les amis. Hein. Alors, le dernier, il est. Comment dire? Inquiétant. Oulala. Je crois que j'ai buté tout le monde trop vite. Personne. Je m'ennuie, ça y est. Voilà. Pendant les nuits sereines, les mecs, ils doivent. Oui. On a un petit. Oh, il y a un nécromorphe dedans, il est tout coincé. Je crois que c'est Monsieur Con. C'est Monsieur Con, ça? C'est Monsieur Con. C'est un Monsieur Con, en tout cas. Ah bah, bye bye. Allez. Alerte. Problème dans la T4. Faille de sécurité. Anomalie biologique. Non, tu craches pas, hein. Cette barrière. Je peux pas t'entendre. Ah oh, tiens. Ah, ça fait pas du bien de ma tête avec les baffes. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il mérite? Ingénieur ou non-ingénieur? Eh putain, mais t'es en forme aujourd'hui. Hein? Ingénieur ou non-ingénieur? Des cercueils, dites. Des soldats sont morts de froid sur cette planète et nous les transportons. Vous m'expliquez? Je n'ai pas le droit d'en parler. Allez, oh. Valérie. Le bidas n'a plus de viande à griller, il s'ennuie. Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. Ce sont les mineurs. Ils les ont envoyés dans ce trou paumé et ils sont revenus avec quelque chose. Oh, ok, mais qu'est-ce que c'est? Mad n'est jamais loin derrière moi. Bon. Mais ça va mal se finir, c'est moi qui vous le dis. Eh ouais, moi je te le dis, Valoche. Ça va mal se finir. Et ouais. Elle va nous demander à des gens. Ah, ah non. Je recharge. On appelle au don parce qu'il y a un déficit de 2 millions. Franchement. Oula. Ah. Le baissier a l'air plus profond que les deux premiers opus. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a toujours un, mais il manque pour moi le meilleur. Le meilleur nécromorphe dans celui-là. Déjà, on ne le voyait plus beaucoup dans le deuxième. Et qu'est-ce que t'as? Bon, je sais pas.
Et là on voit juste plus du tout dans sa forme actuelle, c'est le Slider. C'est mon préféré. C'est littéralement Slenderman the Film. Ah ta gueule! Oh, bah, tiens, revoilà! C'est encore Donald! T'es qu'un pauvre type, Tucker. Tu sais ça? Laisse tomber. Tous mes ancêtres étaient des gros fainéants, Sam. Si à Sekovski, tu devrais demander un coup de main. Merdeux ferait tout pour impressionner le commandant. C'est pas vrai. C'est une mission collective, Tucker. Un de ces jours, il va falloir que tu penses aux autres. Ouais, un de ces jours, Sam. Mais pas aujourd'hui. Gros con de Tucker. C'est pas très sympa. T'es petit jeudi, Donald. Ah le bâtard, le pirate de l'espace. Utilisez la télékinésie. Tenez, tout ce message quand j'étais bloqué sur la Méduse. Attends, non, je crois qu'il y avait un truc à ramasser. Le retour de la séquence. Il y a 20 000 fois. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les manques coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Oh. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Le mec, il nous fait un tuto télékinésie démembrement en fait. Pourquoi la musique est souvent un peu ouf là? Bon. Quoi, devinez-moi, la musique elle est ultra vénère là. Oups, mais y'a rien. C'est extrêmement inquiétant, mais je vois rien. Arrêtez! J'aimerais bien avoir peur, mais il faut m'expliquer en fait. Allez, ça doit être par ici qu'on a peur. Voilà, c'est par ici. Ah. Voilà. Et tiens. Et tiens. Et tiens. Prends-y. Et prends ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et encore ça. Et puis ça! Exploser une boîte sur Pando. C'est une vite le balance des boîtes dans la tronche. Avec la télékinésie. C'est ouvert! Oh non, pas lui! C'est Monsieur Con! Ah bah voilà, t'as plus droit, tu viens de côté. T'es content? Ah mais ça repousse. Bah oui, c'est monsieur con. Oui, il veut pas... C'est un peu... juste là... Non, c'est tout ça. Laisse tomber. On se barre, de toute façon. Vas-y, vas-y, monte, je te trouve. Tyran. Peur s'il avait un Wildfire au pays. En vrai, quoi. Là, il y a un monstre qui vient de faire peur. Ah ouais. Oh ah. Il bat pas ça. Oh les hop. On peut pas refermer derrière nous. Ça se ferme tout seul. Ah, mais bien. C'est trop pratique. Et lui, il a pas de télékinésie, il peut pas ouvrir. Mais ouais, il a pas de télékinésie, il a pas de pouce opposable. Non, non, mais là, il y a une niche. Il a des sabots, le chien. Ah, mais attends, il est mort. Non, 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 il est pas mort, il est pas mort. Oh non, je suis. Appelle le travail. Ramène ton toutou là! Pas prêt. Non. Oh, il y en a deux.
viens par là, viens par là. Donc, on va par là. Oh la vache, c'est stable. Oh, il me met trop cher. Le train est là. On se casse. Vas-y. Je peux appuyer sur un bouton pour que ça démarre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avoue, là, ça faisait un peu peur. J'ai mis un peu stressé. Vite fait. Merde, je déteste ces trucs. Bon, ça okay. Pas les monsieur. Je suis arrivé au tram. Ah, cette fois-ci, c'est pas une vidéo du Star Tour. La station du centre et de la poupe. Anabeth est à la station de la poupe. Et la station centre? C'est celle du centre opérationnel. Voilà qui est intéressant. D'après les registres, de nombreuses ressources ont été retirées de l'entrepôt par un certain lieutenant, Tucker Edwards. Allez, jetez un œil. Ouais. Si je les retrouve, je vous fais signe. Terminé. À l'île du Doc de 1996, si chaotique qu'il en est bon dans ses détails. Et du coup, c'est du vrai nanar, ce truc. Quand même. Oui, le vieux Doc. Fais un peu la gueule. Et regarde, c'est un puzzle. Un puzzle. Activé. Activons. Comment ça joue déjà en même temps là? Ah mais non, il y a la même connerie. Bah alors. Vite viens. Bah. Je sais pas, il marche pas en ZQSD en fait. En ZQSD. Oh. Bien joué, Whisper. Passe par là, non, passe par l'autre côté. Mais attends. Vite. Mais t'essaies de faire quoi? Oui. Mais je comprends pas. On n'avait pas le il même. Fait que t'ailles en bas. Mais pourquoi? Moi j'avais pas de truc à faire en bas. Si. Les deux ils étaient en bas à gauche. Ah moi j'en voyais un en haut à droite. Bah alors. Non regarde il est en bas à gauche. Toi tu. Ah il faut que je te rejoigne en bas à gauche. Ah oui, la oui, vache. Oui. D'accord. Ok. Ah, Marthe! Bon, bien. Ok. Allez, premier coup. Comme Chérie 2000 qui a un bon début dans son univers. Chérie 2000, c'est quoi ça? C'est de la SF hein? Parce que ça me dit quelque chose, Chérie 2000. Allez, donne-moi toute cette technologie. Une nouvelle mission sur facultative. Le scénario de type 5 est en vigueur. Scénario? Putain, c'est quoi les conneries? Tu vas devoir mourir. Oh. Comme nous tous. Sinon, ils enverront quelqu'un pour finir le tout. Arrête Valérie. Mets ton arme. Désolé. Ils sont pas à savoir. Je suis désolé. Bon. De cet achat essayer de venir me chercher. Ah, c'est lui. Ok. C'est lui la quête secondaire. Faut trouver Tucker. C'est une quête secondaire. Tucker. Je sais plus où est-ce qu'elle est la quête secondaire. Bravo. Ça marche, Oggy. Oh, bisous. Bisous, Oggy. On est carré sage de ce autre monde. Ça roule. Salut, Oggy. Bisous, Oggy. Ressources. Hop. On va peut-être louper des ressources derrière, non? Non, je pense qu'on peut pas. Tous ces soldats infectés, comptez en faire des chiens de garde. Au
pensez peut-être pouvoir me coller une balle, mais j'ai une petite armée qui pense le contraire. Une armée de quoi? T'es tout seul. Personne ne t'aime. Comment il a survécu pendant 200 ans déjà? 200 ans que... Ah, que c'est la merde. Tu sais pas, il avait écrit 200 ans plus tard au début. Ouais, ouais. Ou 300 c'est... ans. Oui, hein, c'est vrai. 200 c'est vrai. Ans. Non, mais peut-être que c'est une équipe récente, je sais pas. Bah non. Bah non. Ça, c'est, ça reste un truc de 200 ans, ça. Le... Oui, mais. Le vaisseau, tout ça, c'est. C'est pas possible. C'est un mec qui était sur l'équipage de ce truc-là. Sérieux? Non, mais alors peut-être ouais. qu'il est déjà parti que c'est des messages pré-enregistrés. Ah bah peut-être. Il y a des kabooms sur les aérations. Hein. Je me tiens, on va s'amuser un peu. Ordinateur, les explosifs. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Donald. Donald. Oula. Ah oui, c'est vrai, attends, je crois qu'il faut faire un truc. Wow. Oh merde, ça m'a protégé, pardon. Ça m'a propulsé en arrière. Et moi ? Il est trop très efficace ce torpeur. Il est énorme. Oh. C'est le moment de farmer les ressources. Oh. Ah. Ah. Et salut Loup Blanc. Bienvenue parmi nous. Et salut Loup Blanc. Bienvenue sur ce stream. Il y a des... Oh toi, silence. Oh bah voilà. Attends, c'est à côté le truc, le puzzle. Oh. Mais ça va pas. C'est vachement dangereux ce que vous faites. Toi, il faut aller pour monter, là tu vois. Là au bout là, c'est de la porte. Ah bah oui, mais oui. Soigne-toi là, hein, dis pas de toute façon. Vas-y, 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 fais le jeu, je te couvre. Le cap piraté là. Attaque au sujet. Voilà. Alors, vas-y. On va relancer le disjoncteur. Comment ça fonctionne déjà ce truc? Ok, c'est bon. Ah, l'autre que c'est bon. J'ai juste envoyé la petite boîte sur la gueule de ce mec. Et tu lui envoies une pièce de munition. Wow. J'arrive wow, pas à wow. faire parce que j'ai envie de défoncer ma vie en fait. Le lance-roquette à courte portée, c'est pas vraiment. C'est pas ah, faut, faut oser, hein. Mais. Mais le fun, comment ça se fait, hein. Ça se fait. Efficacité à ouche. Ok. Et bonjour MacLeod. Ça faisait longtemps au moins. Et heureux, une heure. Il doit installer des pièges électriques. C'est pas Edward, c'est Donald. Oh tu vas me dire ça marche pas si on tire sur les boîtiers. Ah tire. Salut biofake. Allez t'avoir ah, parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Bon, oh mec. Tu peux tirer sur le. Oh pardon. Je m'en sors pas. Oh bah. Non. Vas-y, t'as raison, descends. Non. Ah il a tapé son meilleur salto arrière. Voilà. Pourquoi vous tirez sur le truc, monsieur l'agent? Monsieur l'agent. Monsieur Isaac. Monsieur oh Isaac. C'est le biofait Covid. Ah putain, et tout le monde y a droit en ce moment. Sauf moi, parce que je ne sors jamais. Ah c'est si. T'as des gens ils sortent pas, ils ont quand même un Covid. Voilà. C'est vrai.
courage, courage. Bon rétablissement à toi. Repose-toi bien. En fait, bah c'est Steph qui a chopé le coup de Covid. Enfin, c'est vrai, mais ça va devenir. Et des fois, t'en as, ils sortent tout le temps, ils voient du monde, ils claquent la bise à tout le monde, et ils ont jamais. Jamais un peu de Covid. Même pas un peu. Ça me débecte. Ça me dégoûte. Oula. J'aimerais bien avoir des trucs dans les ateliers pour améliorer mon arme pour de vrai. À un moment donné. À un moment donné, je veux dire. À un moment donné, plus si des trucs là. Du coup, quand on fait des questions là comme ça. Voilà. Mais ils sont, on dirait vraiment des distributeurs de boissons, ces cercueils, je trouve. C'est pas très gentil pour les cadavres. C'est quoi ton gun chroniqueur? Bah c'est le cutter plasma. Ouais ouais c'est le cutter plasma, c'est quoi, mais il est un peu amélioré. Je sais qu'on ne voit pas qu'il est amélioré, mais il est amélioré. Et en dessous c'est le... je sais pas, un lance-pieux, un truc comme ça. Ah oui. Il veut pas te soigner. Hein. C'est festif, ça, fermait, ça permet à la fois de garder le mort au frais et de récupérer et de le récupérer contre un jeton. Ouais. Un jeton comme ça, tu sais pas de petit profit. Ah, wow, ah, c'est pratique. Non, il va pas. Ouais, ça a l'air de bien chauffer les pieds quand même. Ah bah oui. Ce qui est en merde, c'est que du coup j'ai dû annuler mon concert. Iron Maiden. Ah oui. Week-end, c'est mon beau-père qui me l'a filé, lui il a sûrement chopé à son examen pour lui. Putain, l'enfer. Pour ça, tu vois, c'est pour ça sortir c'est pas bien, tu vois. Sortir c'est pas bien. Le problème c'est pas sortir, le problème c'est le Covid. Ah non mais si tu sors pas, le Covid. Tu vois, c'est QFD. Oh, bon alors. Petit retour Windows. Complètement malade ce mec. Et les petits mecs à charognard, ils te ramènent des trucs. Ça, j'avais complètement oublié le mec à charognard. Alors, est-ce qu'il m'a rapporté gloire et richesse? Au moins un des deux, s'il vous plaît. Ouais, t'as intérêt de ramener gloire et richesse à ton maître. Sinon, t'es doux, hein. Alors, je vais mettre une lunette, un renfort de munitions, un renfort statique et recharge de stress que vous consommez profite aux partenaires. Non. Les tirs de stress ont un rayon plus important. Ok. Aspirateur. Ramasse automatiquement les munitions. Munitions proches. Et ça, c'est quoi? J'arrive pas à lire. Un garde-fou. Protège l'utilisateur des dégâts collatéraux des armes explosives. Ah, mais ça, c'est... ça c'est pas pratique si tu tires à bout portant avec un lance-roquette. Hein. Oui, tout à fait. Mais je le mettrai pas. J'aime le risque. On va pas mettre de ce truc là. Pas besoin de viser. Non, en vrai, t'as raison. C'est... oui, mais dégâts améliorés, c'est quand même plus simple. Mm-hmm. J'ai mis tellement tout en dégâts améliorés. Un bloc moteur de mitraillette, bloc plasma, outil tranchant qui tire des énergies à plasma ionisé. Je comprends pas. Ça fait... est-ce que ça fait des dégâts, ça? De quoi? Le découpeur plasma. Ah bah c'est juste ce que j'ai déjà. Bah d'ailleurs. C'est le cutter. C'est le cutter plasma. Après t'as plusieurs bouts différents. Ouais. Bloc moteur militaire, c'est tout ce qui est mitraillette, fusil à pompe, fusil sniper, tout ça quoi. Et ça c'est pas mal. Le bloc moteur militaire. Ah, et le pic télémesure, ça tire aussi les... c'est ça qui tire les projectiles. Bah, garde peut-être ton cutter plasma, ouais. Et en dessous, mets un bloc moteur militaire, par exemple. C'est possible, ça. Ou l'inverse, comme tu préfères. Mais bloc moteur militaire, c'est cool. C'est la mitraillette, c'est pas mal. Alors, embout inférieur... ah ouais, voilà, outil inférieur. Mais à la place de pic de télémesure, tu mets... bloc hydraulique, pic de télémesure, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas été très utile jusqu'à maintenant, le pic de télémesure. Tu peux pas mettre bloc moteur militaire. Ah, tu l'as pas déjà? Bloc moteur militaire, j'en ai un. Il te dit pas que tu l'as là.
De quoi? T'es sûr que t'en avais un? Bah là je vois. Tu peux en faire un. Oui, je peux en fabriquer un, du coup je vais le faire. Oh bon, ça va, t'es que large. Je peux fabriquer un truc. Oh oui, ça va, t'es large. Armature. Regarde contact, un outil, standard. Un embout. Alors, du bloc moteur pour voir. Standard, armature lourde. Armature lourde, est-ce que ça c'est pas un peu mieux si je veux. Ah bah tu en as déjà une en plus. C'est, du coup ça te fera une plus grosse arme comme moi. L'armature lourde. Ouais. Oui, je pense que je vais faire ça. Oui. Bah t'as pas deux armes de toute façon. Si. Bah fais-le peut-être sur l'autre arme. Mais l'autre. T'as déjà commencé. Oui, vas-y, voilà. Après. Moi je te conseille de mettre un bloc moteur militaire en haut et de mettre le découpeur placement en dessous. Outil supérieur, bah bloc moteur militaire, ok. Et en dessous, hop, on va partir sur le découpeur plasma, ok. Ah tu vois, déjà ça a changé. Hein. Et là, bah après, tu mets les embouts que tu veux, hein, testes des trucs. Le bloc moteur de base, je trouve il est cool. Après, dispersion conique, c'est un fusil à pompe. Ouais. Et puis bah là, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, en fait, ce que tu fais. Le bloc moteur, l'embout par défaut, il est déjà cool, pour commencer. Et le compresseur, c'est pas mieux, ça? Compresseur, c'est une mitraillette, en fait. Oh, c'est un fusil d'assaut. C'est nul, il fait pas beaucoup de dommages. Hein. Ouais, il fait moins de dommages. Nul. Forcément, mais il a plus de cadence du coup. Et ça, l'embout par défaut, compresseur. Alors ça va pas faire pareil que le cutter plasma par contre, ça va être un peu différent l'embout par défaut du gros. Ouais. Mais c'était beaucoup plus là, de c'est dommages. Après hein. À toi de voir. Ah, avec le compresseur, ouais. Ouais. Allez, on va prendre ça. Hop. Et. Module 1, je pouvais mettre un module tout à l'heure. Ah bah non, je peux plus. Tant pis. Alors regarde dans les circuits d'amélioration, si t'as pas des trucs. Circuit d'amélioration, hop. En bas. J'ai un truc qui augmente la cadence de tir en charge. Mettre les dégâts. Mêlé, hein, mais ce que t'as, mêlé, hein. Allez. Franchement, dégâts. Ça, c'est vraiment les stats. Hein. Alors, plus un de recharge et plus un de dégâts. Plus un de cadence de tir et plus un de dégâts. Ok. Mais tout, de toute façon, t'en trouveras régulièrement. Tu peux les enlever en plus. Un peu de dégâts. Allez, ok. Ouais. La cadence de tir, hop. 800 malaise au Hellfest à cause de la canicule. What? Putain. Waouh! C'est insane! Ah oui, ça. M'étonne, il devait faire tellement chaud, c'est enfin pendant la canicule. T'as l'idée d'aller à un concert. Non, j'avoue. Bah, c'était le Hellfest. Hein. J'ai jamais fait le Hellfest. Non, non. C'est quoi cette arme des enfers? C'est digne de H. J'aime bien une tronçonneuse dans Dead Space. Bah t'as un truc, une espèce de grosse baïonnette que tu peux mettre en dessous sur du corps à corps. Bon. Ah ouais, donc c'est une espèce de grosse lame. Pas... Bon bah allons-y. Ouais, tu vas t'amuser un petit peu là. T'as pas une autre arme sinon? T'as pas une deuxième arme? Si, mais elle est nulle pour l'instant, donc je peux pas utiliser pour l'instant. Il faut passer par là. Ouais. Échelle. Le pire c'est qu'un coup de femme de le faire des trucs. Mais quel con! Voilà. Ah bah oui, t'as raison, recharge. C'est le moment. Oh bah alors. Merci. Je vais te donner d'armes. Pas une fois, hein. Je me suis remboursé mon billet de retour, c'est déjà ça. Dans le jeu, maintenant, ça merde. Ah, c'est bien ça. Faire. Et bon, Fest porte hein. Bien son nom cette année. Alors, tiens, il y a un truc là-bas. Yes, tiens. Bon, c'est mieux du coup là ce que t'as. Non, pas... C'est différent. Alors. J'aime bien le feeling du fusil d'assaut, justement. Bah là, je l'ai en semi-auto donc. Ah tu hey, il est en semi-auto? Bah ouais, le truc c'est qu'en automatique il faisait pas beaucoup de dégâts donc je me suis dit non, pas ah, merde. Hop là. Mais un jour moi aussi je serai grand, je mettrai deux fusils d'assaut. Je tirerai avec deux en même temps. J'avais fait apparemment genre le triple fusil d'assaut mais genre sur les genre les deux côtés. Et comment tu fais un triple fusil d'assaut du coup? Si t'as deux. Tu sais, c'est le tri. Mais ça, c'est un embout que tu récupères. Ah. C'est ce que t'avais là en là, tu vois, la dernière fois. Hein? C'est ce que t'avais dans la cinématique la dernière fois.
Ouais, c'est ça, exactement. Stylé. Ouais, de ouf. Chroniqueur a eu la même réaction que ma belle-mère. Elle veut pas dire qu'elle aime pas un truc. Enfin, elle veut pas dire qu'elle aime pas un truc. Mais pourquoi ? Reporter qui cosplay, hein. Ils veulent Sam Fisher. C'est dur. Son costume. Son armure. Son costume. T'as un beau déguisement Il est beau, moi, je suis encore en Dead Space la farfouille, là. Ils veulent Sam Fisher. Il y a encore des explosifs sur les aérations, on va encore être bloqué. Ça sent la baston. Ça sent les bêtises. Ça va être les bêtises là. Allez. Les bêtises. Ouvre ton casier. Rappelle-moi la prochaine fois qu'on trouve un établi que je construise des dinabars pour qu'on ouvre des portes. Des dinabars. Ouais, des trucs en. Bon, ça peut. Des trucs en, en tungstène, on ouvrira les portes pour ouvrir celle-là. Mmh. Ah, on peut les ouvrir avec ça ? Bah, y a qu'avec ça qu'on peut les ouvrir, mais il faut les fabriquer au préalable et ça prend. Et temps si on envoie un explosif, ça marche pas ? Non. Oh. Non, c'est des trucs que t'es obligé d'ouvrir avec des barres de tungstène. Ok. Oh, ah, pardon ! Je plaisante pas, vous savez. Je peux pas vous laisser venir à l'environnemental. Je veux pas mourir. T'aimes pas mourir, hein ? Alors. Est-ce que t'as déjà essayé au moins ? Comment tu sais que t'aimes pas si t'as pas essayé ? Il dit je veux pas mourir. C'est parti. Oh. On va éviter le truc, je te cover. Je comprends pas trop ce que je suis censé faire. Oh, il est fou en plus celui-là. T'en prends plus de loot ! Ok, wow. Aïe. Putain, mais non, t'as un cri qui fout. Oh. Je me suis fait exploser. Benabar. Super. Oh non. Benabar de rire. Et ouais. C'est pitoyable. T'as un rire de fatigue. Là. T'as un rire de fatigue. Ouais. Hey, t'es prêt? Non. Vas-y, prépare-toi à faire le. Ah mais attends, c'était ma vieille mitraillette en fait que j'avais. C'est pour ça que c'était nul. Allez, t'y pars. T'as utilisé l'arme qu'il y avait en dessous aussi? Ouais, mais elle est pas très efficace. Merde, attention. Oh merde! Merde, c'est pas la bonne arme. Aïe, ah, pardon, j'ai entendu dessus. Débarrasser des méchantes personnes. Les méchantes personnes ne veulent pas être débarrassées. Oh, ça gueule beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Ça gueule. Tout à fait gérable. Je comprends rien, c'est des nids. On lit les choses entre elles. Mais ça ne vise pas le bon truc. Ok. Mais alors. Oh putain, je comprends rien ce bordel. Tu peux y arriver. Prends-toi. Faut trop avec ça. Contamination détectée. Activation numéro 1. Accepté. Oh
Oh, hein. Oh, c'est plus facile la première fois. Ouais, c'est l'heure du loot. Vraiment bien. Mais qui fait une orgie là? Le loot. Incroyable. Ah bon? Oh, t'es... Loot. Un ascenseur. Un ascenseur hein. Attends, c'est tout ce il que... Il était pas venu pour souffrir, ok? Je ne suis pas venu pour souffrir. Souffrir, on souffre pas beaucoup, précisément. Je souffre beaucoup. Il recharge. Oh, beaucoup de munitions, j'ai l'impression. Emotional damage. Damage. Emotional damage. Tu vas se faire découper par ce truc. Non, c'est jamais arrivé dans Dead Space de se faire tuer par un ventilateur. Ah. Oui. Il m'a arraché la caisse sous le pied. C'est du pied, genre. Incroyable. Pas, je me demande si ça a un lien avec ça. Faut que tu en chapas aussi. Ah, wow. Je crois que ça a marché. La gravité a retrouvé son niveau. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, donc. On peut peut-être faire une pyramide. C'est vrai qu'elle fait bien la série, c'est un fight. Je veux seulement accomplir quelque chose à moi. Ah, ce jeu il est vraiment pas réaliste. Non. Dans sa genre c'est vraiment ça. C'est vraiment de la science-fiction de pas pouvoir mettre des caisses dans un ascenseur. Impossible. Le pire c'est que j'ai plus. Bon bah. C'est fou. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Non, c'est pas fini. Ça. Ah, t'es rote. C'est pas bien sûr, ah. Voilà. Ah, c'était ouvert, ça. Tu m'emmerdes. Oh non, il me passe le bras. Oh. Bolo. C'est vraiment pas très gentil. Échelle bloquée par un partenaire. Là-bas. J'exagérais à 2000%. Oui. Oh. Je crois qu'on vous a pas demandé votre avis. Oh ah mais ça va pas. Ah mais ça va, l'arme secondaire en fait elle est pas mal quand ça vise bien. Pas quand ça vise bien, quand elle vise bien. Pourquoi elle fait pas tout le boulot putain? Pourquoi elle attire pas automatiquement Pourquoi elle tire pas et tue pas les gens dès que j'appuie sur le bouton? C'est trop dur les jeux vidéo. Trop de challenge, moi je suis pas. Moi je suis avec le clavier et le clic gauche. Ah non. Évidemment que tu recharges, je me fais attaquer. Putain. Trop tard. Voilà. Aidez-moi. Aidez-moi. Trop tard. Ah voilà, des dinabars. Des dinabars de chocolat, de... ça te dirait? Des dinabars de riz. Attends, j'ai une idée, je vais faire encore mon truc complètement pété qui sert à rien. Ah, trop bien. Alors, le fabriquer des armes. Amélioration d'armes, où est-ce que tu les fabriques? Plus j'avais trouvé. J'avais trouvé un truc complètement pété. Attends, faut que je réussisse à le refaire. Oh, j'ai pas assez de tungstène, hein. Dommage. Hein. Répliquant. J'ai pas un autre répliquant. Maraudeur. Tellement abusé ce truc. Eh mais attends, j'y pense, on n'a pas utilisé notre petit machin là. Petit drone.
Je vais l'utiliser un moment. Bah, en fait, tu, ça te dit, hein, ça te fait un petit truc. Ça te fait un petit message pour te dire. Parce que là, je vois qu'il marque un truc, mais je suis pas allé le chercher. Ah oui, bah oui, là, effectivement. Oh, c'est bon. L'arme. Ah voilà, c'est ça. Le truc qui recharge l'arme automatiquement quand elle est vide. Sérieux? En gros, là, je peux tirer non-stop. Ah ouais, donc tant que t'as les munitions, en fait, tu défourailles, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Alors, je vais juste me faire d'autres munitions. Je n'ai plus beaucoup, je crois. Ah oui, non, je... Et alors, où c'est que c'est ce truc? On va faire deux barres de points extrêmes. De toute façon, j'ai 560 points extrêmes. On va tranquille. C'est bon, et on sert plein de chargeurs. Ah, mais tu peux te fabriquer des munitions aussi? Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Tous les lasers. Ouais, j'avoue. Oh la vache. Ah, mais tu tires pas avec les deux en même temps? Si, si, je peux tirer avec les deux en même temps. Ah. Mais faut que j'appuie sur tous les boutons ma souris en même temps. Ah, parce que là, je te vois tirer qu'avec celle du bas. Ah non, non, ça tire bien avec... Alors, du coup, t'as deux triples fusils d'assaut, t'en as six? Voilà, c'est ça, j'en ai mais six. N'importe quoi! C'est trop rigolo. Putain, alors que moi j'ai un fusil d'assaut, lui il en a six! Exagéré. C'est pas possible. T'as payé EA? Non. T'as payé? Alors, j'ai payé, mais juste pour le skin. Ah. Il est rouge, tu vois. À part ce qu'il est rouge. Tu comprends, il est rouge. Je comprends. Et c'est parti. Ça va cafouiller, moi je te dis. Au revoir. Le mec qui a un plan machiavélique. Ah ah. Bah non, t'es là aussi. Ah, t'es là. Attends, on va pas du tout au bon endroit là. Ah ouais? On est en train de partir, ouais, regarde, j'ai appuyé sur B et ça me dit pas. Bah, c'est bien ce qui me semblait, mais t'avais l'air très sûr de toi, donc je me suis dit, il sait ce qu'il fait. Ouais, ouais. Il a déjà fini Dead Space, il a un double triple fusil d'assaut, il sait ce qu'il fait. Un double triple, c'est bien. Un double triple fusil d'assaut. Ah, c'était ça, la porte. Ah, non, c'était la porte. Bon, est-ce que tu foutrais pas un peu ma gueule? Comme même. Ah, c'est cet ascenseur. Ah, non, ça, c'était l'ascenseur de là. Là. Je savais, putain. On savait. Oh là là. Ah, mais c'est parce que c'était le troisième, on n'avait pas été au troisième. Oh putain. C'est une arme ou un menu McDo? C'est vrai qu'on dirait un peu à une Magic Box. Là. N'importe quoi. C'est raciste. J'aime bien parce que quand il est pas déployé, ça ressemble vraiment à rien. Genre. Ça ressemble vraiment juste à un canon anti-aérien, genre. Ou un vaisseau. Bah voilà, il est mort, c'est lui. C'est le cadavre dans le siège. Ça là? Ouais. Donald Renew, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pour ça qu'on entend ta voix après 200 ans, Donald! C'est que t'étais mort! T'étais mort! Depuis le début! Oh, c'est joli. On a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Non, ça, faut prendre ça. Pourtant, il y a encore des bombes partout. Sur les bombes. T'es prêt? Les bombes de craft. Viens avec moi sur. Viens avec moi sur. Et bonsoir Defclo. Oh là là, Defclo, t'es tardif. Oh là là. Salut Defclo. Des petites baffes, mais tu sais, vraiment à 0.05, je tue. Toute petite chier doit être avec ses affaires.
J'y suis peut-être parlant. Le coup de vérifier. Là. Au revoir. Enfin. Au revoir. J'ai trouvé la clé. T'écoutes rien de ce qu'il dit. Non, j'écoute rien. En même temps, j'écoute pas les morts, m'en fous. Les morts, ils seraient morts. Qu'est-ce qu'ils auraient à lui dire? Il n'avait qu'à le dire quand il était vivant. Alors. Faut qu'on aille au deuxième, du coup, je pense. Suivre le truc. On va tester le deuxième, on va bien voir. Mais ok, putain! Il y a un message sur l'ordi. On l'a déjà fait. Mais Oggy! Oggy, il est parti. Bah, c'est le taf, ça. Oggy. Je travaille trop tard, des fois. T'as pas honte. Je voulais tirer dessus pas mal de temps. Je vais prendre le contenu hein, par contre. Je l'ai pris. Je te surveille, hein, je te surveille. Je te regarde hein. Ah c'est bon, bah on a trouvé du coup. Quoi, c'est tout? Oui, c'était sur la table. Bon ok. C'est tout. Oggy m'a piqué mon siège. Ça t'apprendra à pas être là. En plus c'est même pas Oggy qui a récupéré le siège, c'est genre. C'était Nimi Jotron qui a fait un masse. Ah oui, c'est masse... vrai! Il a balancé 10 abonnements et le dernier, il s'est trouvé que c'était. Que c'était Oggy, du coup, c'est Oggy qui est sur le compte. Tiens, je suis calme. Quoi, sur Discord? Voilà, la clé. C'est bon, t'es content? La clé, c'est bon. Oui, du stuff! Ça, c'est bien, ça. Ça, oui. C'est gros, ça. C'est des grosses boîtes comme ça. Partenaire, attends, la fin. Oh là là, ouais. Tout récupéré. Oh, oui. Ça, c'est du bon stuff. Ça m'en fout, hein, moi je te dis, ça, c'est du bon stuff. Mais c'est de la bonne. Je comprends à présent pourquoi nous devons tous mourir. Donc, si vous avez trouvé ça, et vous êtes toujours en vie, je peux enfin accomplir mon devoir. Oh, bah, tiens. Ordinateur, je vais sauter les dernières charges. Ah, ça y est, il recommence ses bêtises. Mais c'est vraiment trop un canard, et nous on était là! Oh, il est mort. Tu fais chier! Pourquoi je recharge? Avec ton canon anti-aérien là. J'ai oublié la touche recharge. En même temps. Est-ce que t'as vraiment besoin de la touche rechargement? C'est obsolète le rechargement. Je vais chier. Oh bah super. Mais je vais chier. Je vais chialer. C'est tellement triste et piche. Oh d'ailleurs, ma copine elle a fait un patch Exitium. Ça c'est trop trop bien. C'est quoi cette transition abominable? Elle a pas du tout. Et d'ailleurs, ma copine, elle a fait. En parlant de merde. Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, mais genre vraiment la transition horrible. Non. Il y a qui va là? Mais non, j'étais en train de regarder sur le côté, j'ai vu le pas, je me suis dit c'est trop bien, j'avais dit que j'allais mettre en live. Oubliez ce qu'a dit Defclo, regardez ce magnifique. Il est trop stylé. Ah, il est très très cool. Hein. Je vais le mettre sur mon costume. Oh, tu feras le salir du coup. J'oserais pas, il est trop bien. Alors, tu peux pas le mettre sur ton costume. Wow, mais enfin. Oh. Hey, salaud. Salaud. Viens ici que je te. Voilà. Viens ici, oh, le monde charge quoi. N'oubliez pas mettre une échelle. Il y avait beaucoup de Pour ramasser votre chambre. N'arrêterai jamais. Exitium Army. Toggle. Toggle. Philippe.
Tu l'as vu ce nanar là? Tu l'as vu ce nanar là? Poursuivi par un nécromancien. Quand tu tires. Il vient d'où le... Salon, salon, salon. Oh putain, en plus ça fait un espèce moi, d'écho. Moi je peux le lancer. Salonculé, salonculé. Ta gueule. Ta gueule. Salonculé. Les Japonais avec leur récompense. Quoi? On dirait un western à la cool. Ah oui, oui, c'est vrai, là, avec la musique. C'est de la country. Ah, il nous a saoulé, le mort, là. Tu voulais pas rester mort et arrêter de faire chier pour qu'on ait de loot, putain. Crime. Crime. Espérons qu'elle soit en état. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Prêt. Et bah, c'est super. On est prêt. Du coup, on est là, on se regarde. On ne fait rien. Contre opérationnel. Voilà. Est-ce qu'on peut pas panier papa poupe? Activer station poupe, station centre, station prou. Station poupe. On n'a pas été à la. On vient de la poupe. Poupe. Centre opérationnel. Je sais pas si on a déjà été. C'est là où on était. J'ai rien compris. La vérité, j'ai rien compris. Crane. Ah ouais. Carrément, c'est devenu Kane. Kane. Pour expliquer le principe d'avoir un métro dont les stores de sécurité s'ouvrent sur la ville quand ils se déplacent. C'est pour profiter de la vue, hein, mais franchement, l'esthétisme, hein. On va dans l'espace, c'est pourquoi? C'est pour regarder des bouts de métal? Non, monsieur. Oh là, c'est tout cassé, on s'est plus rêvé de nos jours. L'endroit ressemble beaucoup à l'endroit où on était tout à l'heure. Oui. C'est par là, on va par là. Ah, regarde. Il y a regarde, tu vois, j'ai bien fait de fabriquer quelque chose comme ça. On peut... Comme ça, on peut ouvrir ces foutues portes. Ah. La porte. Tu ouvres la porte. J'ouvre la porte, c'est regarde. Je mets le petit machin. Et là, tu peux tourner, vas-y, tu peux. Vas-y. Plus vite. Encore. Ah là. Jusqu'à ce que ça tombe. Ah oh, putain, il m'envoie des explosions dans les oreilles. Salut Egon. Et boum. Et bonsoir Egon. Comment aller? Comment va? Il est plus à MacLeod. Bon, il a dû s'absenter, mais je pense qu'il est en lurk là. Il est en lurk. Crane. Crane. Non, j'arrêterai jamais de tirer. Je ne peux rien faire. Oh, le deuxième. Oh, non, le deuxième. Non, putain. C'était facile en fait. C'est bon fait. J'avais comment ça s'appelle? Il y avait du de la stase. Oui. Le duo le plus léger. Ah, c'est nous le duo le plus léger. Comment on s'en sert en fait? Le duo le plus léger. Mais il est incroyable ce connard, il est en train de me faire des trucs. Ça pour qu'il a son petit script de merde.
Si j'arrive à construire une antenne, je la fixerai sur la coque. C'est trop marrant quand tu t'énerves avec le voice mode, c'est n'importe quoi. Ah putain, il y a... Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait le voice mode. Oh bordel. Ce serait... Ça, ce serait le jour où il y aura des modos actifs sur ce stream. Oh! Oh là là, ça trash talk les modos. Défendez-vous. Je crois qu'il peut pas... Vous pouvez pas vous défendre parce qu'il a raison. Vous pouvez pas vous défendre parce qu'il a raison. Salut Colfi, comment ça va? Dead Space Salut. 3, alors c'était vraiment le... un jeu bancal par rapport au puissant. Certes, mais on rigole bien. On rigole bien. En coop, c'est rigolo. Comment est-ce qu'on fait ça là? La flèche. Wow. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? On peut rien faire. Ah si, on peut tourner ça. Ah bravo. Ça tourne ah, bien en plus, hein. Ok. Très fort. Ah, il nous manque une pièce. Hein. Série d'antenne. Oh, il n'y a pas d'antenne. J'avais pas d'antenne sur moi. On va acheter une antenne. On va la fabriquer. Nous sommes des ingénieurs. On a besoin de quelque chose, on le fabrique. Hop là. Sauf dans Dead Space 3, il faut l'acheter. Mais... Il veut quoi, lui? Wow. Casse la caisse. Eh, hey, en fait, on a le retour des Whispers dans un jeu Dead Space, c'est merveilleux ça. Comme c'est méta. Eh oui. Attends, du coup, faut le fabriquer sur l'étage. Effectivement, comme ça peut être plus sympa, mais ça reste un peu d'action. Ouais, il est plus sympa en coop, enfin, moi je trouve en tout cas. Franchement, bah, tu sens qu'il a plus été fait pour ça, quoi. C'est un peu des barres, quand même. Franchement, c'est même des dinabars. C'est même des dinabars de rire. Oh là là. Alors, circuit en attente. Bah oui, mais. Qu'est-ce que c'est? En attente de collègues. Qu'est-ce qui se passe? Bah. C'est pas sur l'établi qu'on fabrique l'antenne? Bah si. Alors. Je vais refabriquer une fabrication d'armes, fabrication d'objets. Un objet. Bah. Enfin. C'est pas là qu'on fabrique des trucs? Coffre, non? Ah ouais! Bah oui, mais il faut les trucs. Il con lui un peu. Ok, bon. River le plus. Beaucoup plus que bro. Oh ouais. J'ai un gros stop à côté. Ah attends, où est-ce que t'es? J'ai pris l'ascenseur. Mais il est insupportable cet homme. Ah, j'espère que tu t'amuses bien. Oh. Ah, j'ai trouvé une pièce. Ok. Voilà, crase. Oh non! J'ai pris! Oh! Je me suis fait exploser, voilà. C'est tout. Voilà. Je dis sans hésiter, évidemment! Ouais, il fout de lui. Ouais, ou Paname, ouais. Hop. Après avoir fait les deux, j'avoue que ouais, finalement, je préfère Paname, quand même. Je dis elle est cool, mais bon, elle est un peu casse-couille quand même. Elle casse les couilles, elle est tout le temps en train de te demander des trucs comme si t'étais son lien. On n'a pas pris la pièce. Bah. Eh mais attends, on a pété ici. Mais non, on n'est pas allé. Il faut retourner la chercher la pièce. Bah il est mort dans l'œuf. Qui mange un œuf? Mange un bœuf! J'ai jamais compris ce dicton. Tout ça en plus. Jouer une meuf, c'est le seul moyen de pêcher. Je m'adapte au jeu. Reporter, oui, c'est des modes. Oui, c'est juste une ligne de code en vrai. Parce que franchement, la romance est totalement disponible en tant que mode. Genre, elle est. Il y a même une scène spécifique, les dialogues fonctionnent comme il faut. Alors tout a été fait pour que ça fonctionne, juste ça a été désactivé. Ça n'a aucun sens. On s'en va, on reprend l'ascenseur. Et quoi? On a foutu les modes, moi j'y vais venir. Quelle personnalité incompréhensible. En plus, je peux avoir un bras boursouflé qui explose. Hein. D'accord. Hein. Et vous savez quoi? Je vais faire tout le temps.
plus, j'ai faim avec elle. Oh, c'est pas un fermez-la! Fermez-la! Qu'est-ce que ce bordel? Mais vous êtes même pas là! C'est vos bêtises. Le jeu est trop fort, mais il est pas toujours trop fort, c'est ça le pire. C'est vraiment bon. Vas-y, vas-y. Ok, maintenant tu vas souffrir les oreilles. Putain, mon fusil il est tellement inefficace comparé au tout. Mais c'est parce que je les ai entamés que j'ai fini par les avoir. C'est pas trop dur. Mais ça va pas la tête. J'ai testé la démo de 5 heures de Cyberpunk, c'était bien sympa. Il y avait une démo de 5 heures pour Cyberpunk. Et moi je pense qu'il faut jouer à Cyberpunk, je trouve que ce jeu il a été trop été lynché. On voit plus les qualités. Ouais, bah oui. Mais moi je kiffe surtout avec des mods, j'ai vraiment pris plaisir à le refaire avec des mods. Faut aller en bas, tu veux venir. Elle arrive en... La pépire. Et salut Wargash. Comment ça va? Salut Wargash. On va faire notre petit snap d'espace préféré. Et oui, nous sommes ingénieurs. J'amine une mode d'ordre. Fais un pépire. Vraiment. J'espère que ça t'amuse. Salut, très fort. Nous avons toutes les pièces, nous pouvons fabriquer une antenne. On peut se faire des chapeaux en aluminium aussi. Ah bah les petits chapeaux en aluminium, ça on c'est... On va pas nous attaquer. C'est très très utile c'est pour se défendre des micromorphes. Ah bah bien. Attends, là il y a un truc pour... Si jamais t'as une pièce en tungstène. C'est sûr. Bah non. Non non, c'est pas ça, c'est le truc qui est sur le côté normal. C'est juste une porte fermée, ça m'assure. Oh, d'accord. Oh, j'avais pas compris. C'est dur des fois, ce jeu. Donc, ça serait un peu pour l'ambiance. Juste... Rester au même endroit. Ça fait cher le faire des comptes, quand même. Ouais, pour le prof, c'est pas ouf, hein. Ouais. Tu le laisses tourner en tâche de fond. Vas-y, on peut fabriquer l'antenne. Tu la fabriques cool l'antenne du coup, je comprends pas. Ah là c'était sur l'établi, mais c'est parce qu'il nous manquait les pièces pour la fabriquer. Ah, il fallait le schéma. Et non, il fallait les pièces. On avait le schéma, on avait juste les pièces. D'accord. Et là, on les a trouvées, on les a prises et on les a ramenées, on les a fabriquées. Ça tabasse un peu plus que la dernière fois, j'ai l'impression, non? Bah oui. Oh, c'est possible. Un peu plus. Le papy grenier dessus de Masterclass. Ah, je l'ai pas trouvé très mémorable celui qu'il a fait sur Cyberpunk. Il était cool, il était très joli. Mais je me souviens pas trop des blagues à part Inspector Gadget et Johnny Hallyday à la place de Johnny Silverhand, je me suis pas rappelé de grand chose. À chaque utilisation de la stase, j'ai le son It's Leviosa dans ma tête. Putain, ce... C'est le même. Quel enfer, faire ce truc. Leviosa. Ça craint. Elle est à sec. Attendez, il doit y avoir une station de recharge à l'étage. En même temps, il s'est fait censurer. Bah... Le croisier. Mais des fois, il cherche trop, je trouve. Croisier, c'est un croiseur avec une faute. Un grosier. C'est des croisiades. C'est parti. C'est fait censurer. C'est un mec. À chaque nouvelle vidéo qui sort, il se mange une censure dans la gueule aussi. Oni ou JDG? Non non, JDG. Oni. Yeah. Attends, on va là, mais est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est même par là? Je ne sais même pas. Je ne peux pas appuyer sur mon bouton. Non, ça, le bouton il marche pas. Est-ce qu'on a un mouvement? Comment on fait? C'est par là, monsieur. Oh, poussez-vous! Mais poussez-vous!
Mais poussez-vous. Action casque de Dead Space. Isaac Fink est prête. Mais qui gueule sur les murs. Sur les micro journalistes. Mais vous, mais poussez-vous. Wow. Et puis, genre, des gens. Moi, ils dépopent tellement ils sont butés. Non, c'est pas par là, monsieur, c'est là-bas. C'est pas par là, au secours. Ah, des fois, il dit... Ah, je veux que tu meurs. Ah bah, facile. Facile. Est-ce que c'est juste lui tout seul ou nous deux? Ah, de toute façon, si... Ah, attends, il faut peut-être qu'on trouve un moyen de se tuer tous les deux. Parce que ça, si on recommence le jeu parce qu'il y en a un de nous deux qui meurt, autant se tuer tous les deux. Je propose qu'on se jette dans le prochain ventilateur qu'on trouve. Ou alors on se met sous ce laser. Nouvel objectif. C'est quoi ce fameux objectif? Question 1 pour les détails. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ce manuel requise. C'est bon, hein. C'est fait. C'est faut qu'on meure là, du coup, il faut qu'il nous tue. Ouais, si. Ça va être. Non, je pense que ça va être un petit peu laborieux. Ouais, non, là, ça va être pour toi de faire tout par ce truc. Par contre, je suis très lourd. Je crois qu'il y a un réacteur en feu en bas. C'est un réacteur en feu. Tout fonctionne là. Bah, on dirait. Attends, je crois qu'on a pas du tout. Ah, pardon. Ah, il y a marqué. Ok, c'est plat. Ok. J'aime mieux ça. Ok. Je lance la tête à l'image du moteur de la. Ah, mais oui! Parfait, ça peut décéder. Je pense qu'on va même pas. Allons décéder! On va décéder, t'inquiète. Puis ça a pas de tir allié. Isaac, j'ai initié le décollage et je sais pas comment l'arrêter. J'ai terminé Days Gone aujourd'hui, ça fait un petit quelque chose au cœur. Mais moi j'attends l'ascenseur, je veux pas, putain! Une belle bonne, je suis. Bah oui, ça fait quelque chose, ça fait que c'est quelque chose. D'autant plus quand tu sais que tu n'auras pas la suite! Dommage. Ah, mais allez, dans les flammes de l'enfer. Il fait bon. Voilà, super. Voilà, t'es content, monsieur Deflo. Bon, c'était pas très satisfaisant, je trouve, comme Ah, bah, va falloir qu'ils soient contents, ce monsieur. Ouais. Si on trouve un truc plus rigolo à faire, on verra. S'il y a plus rigolo. T'as pas espoir pour la suite. Mais en vrai là je pense qu'il y a plein de moments où on va mourir sans pas espoir. C'est chaud ça. T'as compris, il fait la quête tout le temps. Regarde, il y a un joli réacteur ici. Ah bah oui. Ah moi je me jette dedans direct. Par contre, le réacteur dans l'autre sens. Ça me paraît pas très pratique ça pour le maintien de. Oh 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 oh. Tu me tires dessus. Le mec qui tire son pote, après il vient l'aider, mais il prend feu. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. Voilà. Deux pour Philippe. Parfait, espoir pour la suite. Ah bah là, tu peux hein, pour l'instant, parce que ça sera pas avant le moment, puisqu'on sera un autre RPG open world de la même envergure que Days Gone. Donc tu l'auras pas avant le moment. Cette histoire, il me casse les oreilles. De... Arrêtez de gueuler. Oh
merde, je suis pas dans le bon endroit du coup. C'est par là. Vite, run. Run. Vas-y, vas-y. Merci. En longueur, la partie est analyse, mais sinon c'est comme mes yeux. Ouais, hein, mais ouais, j'ai grave chose. J'ai vraiment grave chose. Ah, ah, ah non, pardon. Petite mission. Ah non, c'est mort, c'est mort. Pousse-toi, non. C'est ici. Oh, putain. Il va me bloquer. Je te coupe jusqu'à ce que je puisse passer, enculé. Putain, mais par où on passe? Ah, l'ascenseur, là, l'ascenseur, l'ascenseur. Ouah. Wouah! Oh, ouais, ciao! Ouais. Ah non! Il est revenu! Oh la dégâts! Ah non! Non, 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 non. Saute! Contrôle! Saute! Ah! Pas toi! Vite, voilà. Mais non, oh non. Mais non. putain de je peux pas y croire. Putain, les bras cassés. Oh là là. On sait, faut pas mourir ici. D'accord, on est revenu. Je me souviens d'avoir refait une fois. Refait en forêt, si c'était pour moi. Oui, j'ai fait des quelques temps. Il me reste deux ou trois à faire. Encore une session de... avant de dire au revoir au jeu. Ah non, non mais plus, non, putain, mais tu as fait avec ta tête, mais c'est pas mais possible. Putain, les roulades ne marchent pas. Tu l'as bindé sur quoi? Mais sur contrôle, mais juste ça voulait pas, ça voulait pas. Après, ouais, c'est plus vrai que ça. Attends, tu le vois cet homme, parce que si tu le vois pas cet homme, c'est foutu. En plus tôt, c'est terrible. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Oh. Mais j'y crois pas, je suis maudit du cul. C'est pas possible. On a pris trop de temps. Oh là là. Parce qu'on va aller trop vite. Tu vois, c'est un absurde. On nous détacherons. Putain, le montage de moi en train de crever sur des réacteurs. Pourquoi est-ce que le temps vole? Viens. Attends, non, attends, attends. Vas-y, ah, c'est bon, on a le temps de passer. Non, 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 tu oh, mais pourquoi? Mais je comprends pas. Tu m'écoutes pas. Mais les deux réacteurs étaient éteints. Mais les deux réacteurs étaient éteints. C'est quoi le timing? C'est quoi le timing? Il faut attendre vraiment. Ils s'éteignent devant toi. Et ensuite, c'est... Mais c'était éteint devant moi, ils étaient tous les deux éteints. Oui, mais justement, si tu vois les deux éteints, c'est déjà trop tard. Mais non. En fait, c'est... ils sont pas en même temps. Il y en a un qui s'éteint d'abord. Et ensuite, on a... t'as l'autre qui s'éteint. Mais ah, du coup, après, t'as l'autre qui s'éteint. Là, donc là attends, bah, tu vois, c'est trop tard déjà. Voilà. Tu vois, ensuite, il y a une autre. Là, c'est bon. Attends. C'est bon, go. Et voilà! Pourquoi il joue pas, monsieur? Il est insensible. Il est obligé de le faire. Ah, ouvrir. J'arrive, j'arrive. Mais c'est pas de décès! Faut pas donner pour l'instant. J'ai pas à lui mettre le truc hein. Pas que l'ascenseur. Putain mais ils sont fous de mes charges. L'ascenseur est là. Allez, on se barre. Okay. Mais non, au secours! Mais pourquoi?
Oh là là, l'autre con qui arrive derrière, au secours. C'est terrible, hein. Mais je comprends pas, c'est quoi le problème? En fait, en tout cas, le dernier, il est ultra abusé. Le dernier, il est vraiment genre, il tire direct, sinon c'est mort. Genre, dès qu'il s'éteint, il faut tirer, sinon c'est mort. Il faut être tout prêt. Oh là 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 là. Putain, y a... aucun récit, quoi. Ouais. Prêt. Let's go. Okay, un peu plus loin. Vous êtes prêt? Ouais. Okay. Et... les gens. Et re Saitam. Re Saitam. C'est l'autre qui m'a fait. C'est dégave. Doucement, doucement. Bien. Il est encore devant le truc. Il a plus la sensation. Aaaaaah! Pas où il est. Ça fait là comme ça. Et quand il est au sol comme ça, tu lui mets un petit coup de ça. Ça s'appelle l'ascenseur. Le dernier va falloir faire gaffe, on reste très loin. Bien près de moi. Let's go. Ah, franchement, exagéré, ouais. C'est plus de 10 secondes. Wow! Oh putain! Wow! Elle est là, à mon risque. Attends, je reviens. Je gère. J'ai plus de mine. C'est bon. Tu sais, tu vois où ça a dû... Ah, je crois que c'est à gauche, là. Ouais. Peut-être la centrale, la porte qui était fermée tout à l'heure. Attention au truc qui brûle. Enfin, ça brûle, hein, c'est... Attends. Ah, mais quoi par en dessous? Mais non, mais c'est une putain de blague. Oui, en plus, attends. Oui, mais parce que moi j'ai vu qu'il y en avait un autre après sur la gauche, mais j'avais pas vu qu'il y en avait un en bas. Oh putain, mais quelle guigne! Oh là là. Suis-moi de près, genre me lâche pas. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Pire phase. Après, ils sont vachement les points de côté là. Franchement, ils sont. Ah, ça va pas. On va pas se presser. Tranquillement. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok, doucement. Let's go. Oula! Et c'est quand ça c'est sympa en soi niveau tension, les gars le truc trop lourd recommencer 20 fois. Ouais. Non mais c'est peut-être moi qui suis complètement nul hein, mais c'est vrai que je me suis un peu laissé surprendre. En fait vaut mieux prendre ton temps, tu vois. Et voir le truc cramer pour être sûr de bosser. Donc de risquer, tu vois, parce que franchement il y a des endroits, ils sont placés n'importe comment. Ah, let's go. Puis là attention il est tiqué, hein, donc on reste bien à côté l'un de l'autre. Prenez-moi. Let's go. Alors tu sais, sinon ce qui se passe. Mais wesh, il est incroyable.
Mais il est incroyable. Mais il se découpe pas. Il se découpe pas celui-là. Oh là 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 là. Il est insensible aux flammes en plus. Tu sais ce que tu fais si jamais t'es dans le feu? Tu spammes la touche de heal. Tu spammes vraiment tout le long. Parce que ça passe tant pis si tu le montres là. Tu vois où est-ce qu'il est là? À gauche. Il y en a deux à gauche. Là. Oui voilà, ok, donc il y en a un en bas et il y en a un à gauche aussi. Ouais. Vas-y, let's go. Ok. Gaffe, t'as pas d'arme, non? Ok. Attends. Reste avec moi. D'accord, on va attendre. Ok, let's go. Checkpoint là pour changer? Ouais. Vous allez faire le DLC de Dead Space 3 en fait, sans spoiler, il révèle vraiment le niveau sur la fin du jeu. Je relève vraiment la fin du niveau. Mais moi j'aimerais bien parce que moi je l'ai jamais fait. Waouh! Vas-y, let's go, vas-y! Prends celui de droite, je prends celui de moins droite. Ok. Moins droite. Droite. Tirer sur les trucs qui bloquent aussi. Quand il y a des trucs qui se font là-dedans. Oh, je suis parti. Bonne nuit, Mac, bisous, bisous. Du tout, du coup. Mais si, tout va bien. Damien! Damien! Bon, et ben, nous voilà. T'as réussi! Merci, Isaac. Bon travail. Ok, tout le monde. Préparons la piste d'atterrissage pour la navette. Isaac, on se revoit à peu pour. Oui. Quoi, elle a dit ça? Oh, il y a un truc qui a craché les trucs dégueulasses. Damien! Non, pour le coup. Ah putain, si, attends, c'est ça le bruit. Aïe, aïe, ouïe. Fais gaffe, ouais. Les mines, elles se rapprochent de toi, donc fais gaffe si t'entends le boup, boup. Boup, hip, boup, hip. Pilou, pilou, pilou. Si, il y a un petit truc qui crache des saloperies, là. Regarde-moi ça. Je vais régler son compte, tu vas voir. Écoute-moi bien, sac à merde, est-ce que t'as un droit de propriété ici? Je suis pas sûr, hein. Mais pas le droit d'être ici. Est-ce que vous payez une quittance de loyer? C'est ça. Oh ah. En plus, il y a du loot de ouf, là, ici. Alors... De l'oxygène. Ok, ils sont nouveaux. Il y a une boîte. Stockage. Ah, il faut le partenaire. J'arrive, c'est moi le partenaire. C'était lui le partenaire. Dans l'espace, oui. Personne ne vous entendra crier TAMIN! Personne ne vous entend crier TAMIN! Quelque chose qui crache du vomi là, c'est absolument dégueulasse. Ah, mais aïe! Il y a une douleur en plus! Qu'est-ce qu'il est, ce con? Ah, c'est là-bas! Oula! Et c'est où qu'on... Aïe! Waouh! Et où est-ce que c'est? Ah putain, mais il y en a plein en fait! C'est bon, ils sont morts.
Et hop, petite saloperie. Ok, et c'est par où du coup? C'est par là. C'est par là, monsieur. Allez. L'orientation dans le sol qui peut. Oriente-moi vers le sol. Ah, boum boum. Timing! Tiens, 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 tiens. Elle est où? Elle est sur ma. T'inquiète. Pardon, j'ai tendance à paniquer un peu. J'aime bien la musique quand on est dans l'espace. Mais toutes les musiques de tous les Dead Space sont cool. T'es mal le sol. Wow. Toutes les griffures. Quel enfer. Quand t'as un chat. Alors que t'as acheté un arbre à chat. C'est pas ça, c'est un... Voilà. L'état de ton canapé alors que t'as un arbre à chat. Il a fait des petites griffures au centre juste pour la forme. Ah mais c'est au-dessus en fait. En fait. Bien. Comment ça se présente? Ce truc n'a pas de blindage. Et encore moins de moteur. J'ai une épave près du Grilly. Peut-être une navette. Ah mais oui, c'est le truc avec un début. Rien de fou monter. Rosen, en fait. Locke, en piste. Il nous faut un moteur. Mais chef, j'ai encore un temps de faire des claquettes. Allez, des claquettes. Non, non, viens d'ici, non, viens. On a fait. C'est tout le vaisseau en fait qu'on a fait ça. Ok. Rosen. Faut qu'on aille par là, monsieur. Oui, mini. Hey, partner. Hey, partner. Salut, Fourbus. Comment ça va? Une mine. Une seule mine. Alors, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on retourne sur le GMS Grilly, là. Oh, la vache. Et c'est parti pour le Star Tour. Ouais. Je me à chaque fois. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes. Super. Je vous ai épargné ça. Il fait vachement chaud. C'est que je crève de chaud aussi. Ouais. Alors, nous y voilà. Allez. À force de dire une mine, tu vas finir par invoquer un Gimli micromorphe. Wow. Le capillotractage. C'est-à-dire qu'il s'est échappé de sa cave. Bon, on fonce vers le Grilly. Bah là, on va pas aller vers le vaisseau en lui-même, on va aller vers le petit machin. Là, le petit machin. C'est l'espèce de bout de vaisseau là. Tout nul. Trop naze. Trop moche le bout de vaisseau. Trop le nul. On doit aller sur ce vaisseau. C'est mes amis. C'est Sylve Barbe. J'en ai un. Ça ira, c'est de la merde. Comme ce plan d'ailleurs. Toujours aussi serviable. Hey, ces mines étaient mes amis. Nous avons conclu que vous n'étiez pas des mines. Mais je sais pas comment on va travailler. Je vais y réfléchir. Préparez-vous à leur morquer jusqu'à la baie de réparation. Je fais ce que je veux, ok, petit monsieur. Tu me donnes pas d'ordre. Faut enlever tout ça, regarde, on enlève tout. On enlève tout, on enlève tout ça. Prends le gros réacteur, sa mère. Vous pensez pouvoir gérer ça? Ouais, Clark, je suis pas idiot. Et vérifiez la diffusion d'oxygène, pour que ça n'aille pas exploser en plein vol. Trou du cul. Trou du cul. J'ai le moteur. L'évolution d'Isaac, elle est géniale. La descente risque de monter si nous pénétrons cette atmosphère sans une trajectoire précise. On pourrait utiliser les boîtes noires de ces vaisseaux, non? Mais pas bête, ça nous permettrait de reconstituer leur trajectoire. Alors, je vais chercher à l'extérieur du Roanoke. Chercher des petits satellites équipés de 4 panneaux solaires. Panneaux solaires. Ok. Un panneau solaire. Une mine, je vais continuer parce que j'y compte bien. Ils disent les termes. Ils ont l'air de pas s'aimer les persos.
Bah, c'est pas l'amour fou pour l'instant. Après, on verra. Hein. De quoi ? Ils disent c'est pas l'amour fou entre les persos. Bah, en même temps, je sais pas, Conrad, là. Ils ont commencé Carver et Isaac, ça va. Bof, mais pas ouf. Mais ça va. Par contre, l'autre, là, il... vraiment un truc. Parce que là, c'est pas à Carver qui parlait, c'est à l'autre, tu sais, là. Un Robert, je sais pas quoi, là. Ils disent les termes. Faut dire les termes, à un moment. Le personnage de jeu était charismatique. Franchement, un peu, hein. Moi, je trouve que c'est pas si mal écrit. Hein. En termes de dialogue, des fois, c'est rigolo. Juste, des fois, en termes de scénario, je sais pas. Prends l'oxygène. C'est un peu... Juste... Prends l'oxygène. Il faut le taper, il faut tirer sur le truc pour le dégager, là, il est dans sa boîte. Tire dessus et ça le dégage. Ah, un petit câlin à la bouteille. Vas-y, dégage. De toute façon, il faut retourner au petit vaisseau. Ok. Mais je comprends pas, du coup, on a fait ce qu'il fallait pour le vaisseau. Ouais, en fait, on a juste aidé à dégager le réacteur pour qu'il puisse l'utiliser. Ah, ok. Je n'ai strictement rien fait. Il parlait pas Isaac, non. Effectivement, il parlait pas dans le premier, mais après dans le deuxième, il parlait. Ah, c'est... Et à l'envers. Voilà. Je suis à l'endroit. Les deux sont en conflit juste parce qu'ils convoitent la même meuf. Oui. De ouf. Ça, c'est juste que ça n'a tellement pas sa place, par contre. De meuf. C'est une histoire de meuf. Bon, bah, c'est parti. C'est vrai que c'est pas sympa pour le personnage d'Eli. Oui. Très bien dans le deuxième. Et en plus, ça aurait dû devenir un pirate avec un petit cache-œil. Les nécromorphes en train de trembler dans le vaisseau. Là. Oh putain! Oh putain! Votre attention est arrivée dans la station. Enfin, c'est chaud comment on n'y croit pas du tout à ces espèces de FMV là. FMV carrément, vraiment, j'espère. Juste devenu une paire de bouts. Mais de ouf! De ouf! C'est dommage de réduire le personnage à ça alors qu'elle avait tellement beaucoup plus d'intérêt dans le conflit. Le conflit il est nul en fait. Le conflit il est pas crédible. Il a pas de sens en fait vu la l'ampleur du problème qu'ils ont sur les bras. Peut-être la fin de l'univers, tu vois, ça vous dit pas C'est la fin de l'univers, le mec s'inquiète pour Dur, ça a jamais vraiment été son... Sa meuf borne. Il a zéro raison. Il y a une pluie de nécromorphes sur l'univers et toi tout ce que tu penses c'est ta meuf borgne là. Alors là il faut récupérer des trucs je crois sur ces machins là. Ah, on dirait qu'on peut récupérer des trucs, mais attends, c'est pas derrière. Ah non, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. J'ai cherché pendant 20 plans, mais en fait c'est à l'intérieur du vaisseau. C'était chier ça. La flemme un peu parce qu'il faut revenir et tout. Ok, je vais voir ce que je trouve. Ah, lui lâche là. Qu'un soit toi. Voilà. Donne ta ressource. Oh, non, il a disparu instantanément dans un fondu artistique. Genre c'est pareil. C'est trop marrant comment tu te déplaces avec avec le drone. C'est comme dans Star Citizen. Parce que on dirait qu'ils ont gardé l'animation de quand. Oh j'ai pu le mettre. J'ai glitché le truc. Tiens regarde, viens te mettre ici apparemment. Sérieux? Tu peux me choper. Arrête. Ouais, oh, je peux en mettre un. Si je te jure. Ah ok. Bah voilà. Ah, tu peux en mettre plusieurs. Oui, tu pourras en avoir plusieurs. Tu pourras en avoir plusieurs au fur et à mesure. Moi j'en ai trois. Ah oui, j'ai pas encore. Ça sert pas à grand chose d'en mettre un seul même endroit en vrai. Mais ça se voit qu'ils ont conservé des fois les animations de quand t'es censé être au sol. Ouais. En même temps, la flemme. Oui. Ok. Donc là, ça, quoi, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a pris la boîte noire et maintenant. Qu'est-ce à dire que ceci ?
Et c'est dire que saucisse, en fait. Attends, je pense qu'il faut prendre les autres. Je vois pas. Ah oui, il y en a d'autres, regarde. Les musiques sont beaucoup trop cool. Oui. Eh oui. Des mines. Des mines. Des mines. Il fallait 3 boîtes noires, je crois. Espace, un petit côté alien 1. De ouf, hein, elle a vraiment un petit côté alien, la musique. C'est pour ça que je disais vraiment la musique dans l'espace, je la trouve vraiment trop cool. Voilà. Ok, j'ai récupéré l'autre pièce. Et assez de boîtes noires pour reconstituer la trajectoire d'atterrissage. Parfait. Ensuite, je les assemble dans un module de navigation que je connecterai à la navette. Ouh, je vais bientôt crever, moi. Ah non. Ah, l'oxygène. Merci. Il me reste encore 200 secondes. Attends, il y a une boîte là. Une boîte. On va à la pomme. Où c'est que t'es? Je vais tâcher de mater Titan AE. Oui, 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 très important. Très important, Titan AE. C'est génial, Titan AE. Disney. Oh, s'il est sur non, Disney, je crois pas. J'aimerais bien le remater. Pas, c'est pas sur Disney, c'est un. C'est un jeu, c'est plutôt. Ouais. Faut retourner là-bas. Ah, merci, c'est gentil. Non, j'avais pas vu le match. Faire pipi. Hein. Faire pipi, hein. En gros, là. Tout remixé en death metal. Le câlin. Et du coup, ça me surprendrait pas qu'il soit sur Disney+, j'irai peut-être regarder après. Enfin, s'il est là au moins. C'est un des films d'animation préférés. Il va falloir un autre accès au film. J'en ai bien peur. Ah, il faut retourner à l'intérieur. Où t'es passé? Ah, c'est pas ici. La musique me fait penser à du StarCraft. Ah ouais, carrément. Genre StarCraft 1. C'est le seul ça. Je n'étais pas du bon côté. Je ne sais pas où je suis. Je suis là. Oh. Oh. Ok. Prends le camion. Disney a avalé la Fox. Ah, ah c'est la Fox. Ils ont récupéré Anastasia. Je sais pas si c'est la Fox, hein, En même temps, depuis le temps que les gens pensaient qu'Anastasia c'était un Disney, maintenant c'est peut-être vraiment à eux. Ils vont vraiment mettre Disney au début. Maintenant, c'est nous qu'on l'a fait. Gros race. C'est nous qu'on l'a fait. Je vais me changer, voilà, je me marre. Changer de tenue. Je crois que c'est dans le premier, une des musiques qui avait ce petit thème. Hein. Hmm. C'est juste tout noir ici. C'est bizarre. Ah, je vais mettre la tenue N7. C'est une Mass Effect. Hein. Et oui. Attends, très très cool. Musique. Ah, je suis le commandant Shepard et cette armure est ma préférée de la citadelle. Ah mais c'est juste une couleur N7 en fait. Oui. Ah, je pensais que c'était vraiment une armure de Shepard et tout. Mais t'es complètement malade. Mais t'as perdu la raison, espèce de pop-collard. Espèce de popcorn. Espèce de popcorn. Il est toujours la même armure, Leader Press, là, au secours. Leader Press. T'inquiète, on aura bientôt une moto. Mon costume, la farfouille. Mon coucou. Ah, nous revoilà ici, dans la zone de quarantaine qui est peut-être une zone. J'en ai marre. T'as mis de merde. Une mission. Ouais. Oulala.
Mais on se calme. Il est complètement perdu. Ah non. Ah bah il faut fabriquer un chose. C'est ça. J'ai fabriqué la boîte noire. Mes cacharognards sont revenus. Ils m'ont rien ramené, les petits connards. Y'a bien rien. T'es super avec quoi? T'es dans l'espace, salaud. Salaud. Fabrication d'objets. Des objets. J'ai tellement plus de munitions, mais du coup. C'est ici qu'on crée des trucs. Ah, pareil, j'ai épuisé toutes mes munes. Les meufs, pas mais en même temps, peut-être que je tire beaucoup. C'est pas impossible. Fabrication d'armes, s'il vous plaît. Armature standard. Armature compacte standard. Fabrication de nouvelle armature standard. Armature élite. Armature d'élite. Le gouvernement. Et non. Demander votre avis. On n'y va pas. Non, elle a raison. Je vais vous saisir notre chance. Vous pouvez venir avec nous, tenter de nous arrêter. Mais attention, les morts sont très dangereux ici. Ellie, prépare la navette. Bon, je peux pas fabriquer de trucs satisfaisants. J'imagine que je verrai plus tard. Dans l'espace, pourquoi pas un module de GLaDOS ou de Whately est le fan de l'espace s'y promène. Oula, attends, j'ai dû pas un truc dans une conversation. Le bon plan, c'est que du coup, dans Kingdom Earth 4, il y aura peut-être un xénomorphe. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Enfin, en même temps, j'ai jamais joué à Kingdom Earth. Je vois pas du tout. Ils vont mettre les aliens parce que du coup, ils ont la Fox, hein. C'est ça? Bah oui, ça paraît logique. Tout à fait. Allez, c'est parti, on s'en va, c'est par ici. Ah, si c'est par ici. Alors, c'est par ici. Puisque c'est par là. Je suis en train de me demander quel est le degré d'improbabilité du truc, franchement, j'ai pas la réponse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Ah, mais il est déjà 23h, tu veux t'arrêter ici? Bah, moi, comme tu veux, on peut continuer. Moi, je me disais qu'on allait peut-être s'arrêter au moment où on arrivait sur la planète, sachant que c'est juste après. Ah, bah oui, on va faire ça. Faisons ça. Ça veut dire là, on a bientôt fini la première partie? Ouais. Ok. Je vais vous laisser là. Bonne nuit, bon live. Ça roule, DevClo. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Repose-toi bien. Toujours un plaisir. Je me demande si on n'a pas loupé une. Non, je pense qu'ils mettent du xénomorphe dans Kingdom Earth. Ou alors, on finira par du Soma contre les tyrannides. Oh la vache. Oh ouais. Wow. Alors attends, juste bouge pas. Oui. Pas tout de suite. Je vais vérifier qu'on n'ait pas loupé un truc. Ok. Parce que ça se trouve, il y a peut-être une case secondaire qu'on a pas faite. Et je crois que c'est le cas. Je suis quasiment sûr que c'est le cas. On a peut-être oublié une case secondaire avant d'aller. Pong. Oh, bon. Tu vois aussi ce qui peut se passer dans l'espace. Où, toi? Je te vois. Tu vas dériver, mec. Ah oui, non, il faut que tu rentres du coup avec moi. Ok, j'arrive. Juste pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas. C'est quoi? Il y a une zone qu'on n'a pas faite? Je crois qu'il y a une zone qu'on n'a pas été. Il y en avait 4 et je crois qu'on a fait 3. Possible. À mon avis, Soma, il prendrait cher. Il y avait une quête qui se faisait pas en duo. Comme je jouais solo, pas moyen de la faire. N'a pas été le Brusilov, si? Ça me dit rien du tout, le Brusilov. Eh bien, allons-y. Alors, parce que c'est celui où on est là maintenant. Ça, c'était le Brusilov, on l'a pas fait, je pense. Allons voir. Hein. Allez, c'est parti!
Oh putain. Ça me fait repenser au même de Link que de Zelda, tout content de l'aventure, et il se fait ouvrir en deux par un squelette qui lui dit « Welcome to Dark Souls ». Ah oui. Je vois très bien. Merveilleux. Le petit joueur de Zelda sur Elden Ring. Ah ouais, on n'a pas été ici. Oh, c'est dégueulasse. C'est immonde. Oh là là, regarde ça, c'est vraiment dégueu. Une forme un peu disgracieuse. On t'avait dit de jeter le poulet. Oh là là, voilà. Il a laissé les trucs pourrir dans son frigo, regarde le résultat. Oula, 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 qu'est-ce que tu fais? Oh. Non, c'est deux grosses toujours comme ça, t'es obligé de tirer sur le poulet après. Ah, ça débecte. Ah ouais, c'est une quête secondaire. Ça en fait peut-être ça avant d'y aller. Et puis, on fait ça. Ou à moins que tu veuilles pas la faire maintenant. Si, si, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Je veux pas louper de truc. Je veux pas finir Dead Space 3 avec des regrets. No regrets. J'ai l'impression que t'es en train de mourir, toi, des fois. Tu vois dériver avec les mains à l'envers en train de faire. Calin. Allez, dégage. No regrets. Ah, c'est ici. T'as trouvé le retrait. C'est l'épisode de Game of Thrones pour finir là. Oh là là, c'est pas bien. Mais tu vois maintenant que j'ai vu la série Halo et la série Obi-Wan et la série Boba Fett, tout ça la même année. Et ben finalement, avec le recul, et ben on se rendait pas compte de notre chance. Finalement, c'est cool, Supernatural. Ouais, non, j'irai pas jusque là. Mais franchement. Et mec, mais Obi-Wan, là, la fin. Oh. Sérieux? Oui, alors oui, c'est il est mieux que les autres, le dernier épisode. Mais putain, mais c'est pas bien! Mais c'est pas bien! J'ai vu que Netflix, il avait parlé de la série de Halo, je pense que je vais regarder aussi ce qu'il en pense. Les systèmes vitaux sont HS. Ah. C'est vraiment une bonne idée? J'ai pas de derrière. Vous tenez longtemps en apnée? Ok, bien. Si on trouve les systèmes vitaux, on doit pouvoir rétablir l'oxygène. Ah! Cherchons des réserves d'air en apnée. Putain, t'as le cœur qui bat plus vite quand il y a un ennemi à proximité. Ah, c'est trop bien! J'avais pas fait gaffe. Mais du coup, c'est une mission où on va devoir chercher l'oxygène constamment en fait. Ouais, pour l'instant. Pas toute la mission, mais. Pour l'instant, ça part. Et oui, c'est une catastrophe, Obi-Wan. Hein. Voilà. La série Halo, c'est une catastrophe. La série Halo, c'est pire que la saison 8 de Game of Thrones dès la première saison. Wow. Les mecs, ils ont réussi à sortir la saison 8 de Game of Thrones en une saison. Oh là là. Eh, hey, mais attends, tu m'as donné une idée. Est-ce que t'es chaud de finir un peu plus tard ce soir? Parce que je te propose qu'on fasse un tier list des pires séries. Des pires séries, on se trouve une fourchette d'années où. On les classe par les pires. Parce que moi aussi, il y en a quelques-unes, j'ai envie de les classer. Mais alors, moi déjà, je pense que Halo va aller très très bas. Ah ouais, ça va être le god tier des séries. C'est une des pires séries que j'ai jamais vues. Ah sérieux, une des pires séries que t'aies jamais vues carrément. Ouais. Ah ce bah, en fait. Pas juste parce qu'elle est nulle, mais parce qu'elle, je me suis senti insulté par la série, tu vois. J'ai vraiment ressenti la série comme une insulte envers moi. Oh la vache. Vraiment, j'ai l'impression que la série ne m'aimait pas, tu vois. Genre, c'est quand même terrible. T'en viens à un point où c'est même plus toi qui aimes la série, c'est la série qui t'aime pas. C'est quand même terrible. Rick et Morty, best série, comédie, SF. Eh ben, j'ai pas aimé ce Rick et Morty. Oh, je trouve ça drôle, Rick et Morty, c'est pas... C'est drôle, tu vois, mais alors, je comprends pas pourquoi ça peut être drôle. C'est... Genre, j'ai regardé un ou deux épisodes, j'ai trouvé ça rigolo. Je suis pas autant hypé que beaucoup de gens par la série, mais j'aime bien quand même. Je crois qu'il y a un culte autour de cette série, c'est terrifiant. Mais c'est cool, hein, c'est rigolo, mais je sais pas trop moquer.
toujours pas fini la saison de Game of Thrones. Par contre, non, par contre, Game of Thrones, les premières saisons sont vraiment géniales. C'est vraiment une très très bonne série. La première saison, elle est un petit peu difficile d'accès, mais sincèrement, jusqu'à la saison 4-5, c'est franchement excellent. C'est vraiment excellent. C'était trop bien Game of Thrones. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi dur la saison, qui a fait autant, aussi mal la saison 8 et la saison 7 aussi. En fait, tout ce qui n'a pas été écrit par George Martin. Ça ruine pas le show pour autant. Enfin. Non, ça en vrai, pas en le vrai, souvenir de la série, c'est ça que je veux dire. C'est, en fait, si, un peu comme ça. En fait, c'est ça qui est triste en fait avec Game of Thrones, c'est que la saison 8 a vraiment ruiné la série. Ça a vraiment ruiné pour beaucoup de gens la série. Ça laisse vraiment un goût amer. Mais pas un goût amer dans le sens narratif du terme, vraiment un goût amer dans le sens qualité. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est une conclusion qui est nulle, mais. Mais non, mais par contre, ça enlève rien, effectivement. Ce que je veux dire, c'est. Je vais pas dire. La série est quand même excellente. Tu vois. La série, les trois quarts sont excellents. Ouais, c'est ça. Ça vaut le coup de la voir, quoi. Même si c'est frustrant, la fin. The Witcher, j'ai regardé la saison 1, c'était pas mal, mais bon, j'ai... Putain, c'était pas bien, The Witcher. Oh, moi, je trouve ça rigolo, The Witcher. Je capte pas son signal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a le niveau des séries en ce moment, il est nul. Il est nul. Putain, il y a plus de thunes dans les séries, et pourtant, c'est nul. Qui est fait en ce moment, là. Le niveau des séries en ce moment, il est mauvais. Depuis 2-3 ans, là, c'est catastrophique. T'es un grincheux, reporter. Non, mais sans déconner. The Expanse c'était pas mal, mais la dernière saison ça va pas du tout. Ah, je suis en train de reprendre The Expanse là justement. The Expanse c'est exceptionnel, mais la dernière saison. La saison 4, peut-être, je sais pas combien il y a de saisons il y a après. C'est une de mes séries préférées, The Expanse. La fin de la dernière saison, c'est la fin de la série en fait. Et c'est trop en fait, c'est trop. Genre, ils ont chié. Il y a plein de portes à ouvrir. Ah oui. Vas-y. T'en mets du temps à l'ouvrir ta porte. Mais enfin. Je vais profiter pour recharger mon arme, mes armes. T'as pas de soin, tu peux me mettre à celui-là. Oui. Mais toi t'es chillax, hein, mec. T'étais en train de décéder là. En fait, quand tu me voyais flotter dans l'espace, j'étais vraiment mort. J'ai une expérience, il faudrait que je les revoie tous, la dernière saison est cool, vivement prochaine. Mais Saitan, il n'y aura pas de prochaine, c'est ça le problème. C'est ça le problème de The Expanse, c'est que la saison 6, c'est la dernière. La saison 6, elle est pas bien parce que c'est la dernière. Tout est expédié, tout est balancé à une... Tout est vraiment genre juste... Je crois qu'on revient en arrière, là. Oui, complètement. Complètement. Tout est expédié en vitesse et du coup il y a plein de trucs qui sont pas résolus du tout, mais alors du tout, alors qu'ils sont build-up depuis super longtemps dans la série, un peu comme Game of Thrones en fait, hein, même problème que Game of Thrones, trucs qui sont build-up mais pas du tout résolus ou résolus ouais. Vraiment à la vie. Et puis c'est pour ça que c'est très décevant. Donc oui, non, c'est la dernière saison de ça le problème. Et en tout cas, il n'y a aucun plan pour la faire continuer. Ça, c'est une série qui est bien. Ah non, c'est un mec qui est prénom. Oli. C'est mérité. Bien fait pour sa gueule. Bien fait pour son visage. Pourquoi on peut aller à plein d'endroits? On a déjà été. Ah non! Heureusement que le GDL Space 2063
quand c'était encore sur le net. Maintenant, c'est totalement impossible de l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Space 2063. Space 2063. Je ne sais pas. Je ne connais aucun des deux. Ça me dit Mutant X. Absolument. Et X spéciaux. Il y a plus de thématiques dans les années 90 que maintenant. Plus de thématiques, je ne sais pas, mais je sais pas s'il y avait beaucoup plus de meilleures séries avant. Il y en a quelques-unes qui nous ont marqué par le passé, mais finalement c'est celles qu'on retient aujourd'hui. Mais on avait aussi des séries. Donc elle expédiait la fin sur la fin de la série. Mais comme Game of Thrones, franchement, je sais pas ce qu'ils ont là, les gros studios à expédier les fins de ces séries. C'est extrêmement frustrant. Mais vraiment, hein, ça me frustre beaucoup trop fort. Je sais pas, peut-être qu'ils savent pas, peut-être que. Non mais tu sais, genre ils se disent bon c'est bon, il y a plus de budget pour la série, ça intéresse plus personne, on est plus rentable. Expédier ça comme ça les derniers fans y regarderont et Ça me fait mal. Le truc c'est que c'est, effectivement c'était pas le ça pour Game of Thrones, mais c'est vrai que dès qu'il y avait plus l'écriture de Martin, ça s'est senti de ouf. Ouais. La dernière tristesse, je vais me rouler en boule par ta faute. C'est pas ma faute, c'est de la faute d'Amazon. Mais attends, tu rigoles quoi? Tu rigoles, je suis dégoûté moi aussi. Je suis grave dégoûté. Pardon. Mais voilà. Putain, ils ont vraiment chié parce que il y a plein de trucs là, tout le truc avec la race extraterrestre et tout. Ça a pas du tout été résolu. Et ils ont laissé ça en mode bah les couilles. Ça me dégoûte. Allez, enfin, j'en dis pas plus, mais il y a vraiment des trucs, il y a plein de trucs qui sont laissés de côté, alors que tu vois qu'ils sont build-up narrativement. Et c'est un peu frustrant. Du coup, je me rabattrai sur lui. Space 2063, c'est une vieille série de SF. On voit pas les mêmes choses. Là, on voit pas les mêmes choses. Ah. Moi, je vois un petit soldat. Et là, ton perso me dit, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu vois rien. Moi, il y a un petit soldat là. Et je suis en train de le prendre. C'est bizarre. Ah, c'est un monolithe. Bah alors toi, tu t'es approché du monolithe. Mon perso est bien fou. Perso, il a pété les plombs. Et complètement. Vous voyez les ravages de la dernière saison de Game of Thrones sur ces pauvres gens. Regardez ces pauvres fans qui avaient des attentes. Bon, arrêtez les bougies. Et il me tape. Je me fais taper par un truc en ligne déjà. Ah non, ça le fait. Coupe-moi bien, petit canard. Voilà. Du loot. Il y a un truc qui est toujours en vie là, non? Alors qu'on lui a pas donné l'autorisation. Ça, je trouve ça déplorable. Et qu'est-ce qui se passe si je touche ce monolithe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens fou? Le monolithe, c'est vraiment genre une babiole. Là, comme ça. Il marche pas très bien, il est malade. Hop. Les seules séries récentes que je me suis farci, c'est WandaVision ou Stranger Things. En même temps, en ce moment, c'est pas la folie. Hein. Dispersion chronique compact. Pourquoi? J'ai tout maintenant mon inventaire. La race extraterrestre dans The Expanse, je crois que je me souviens du wiki du livre, que c'est même pas là résolu dans les livres. À un moment dans le futur, l'humanité se prend un avertissement, il me semble. Oui, le fameux réalisateur de Dragon Ball Evolution. En vrai, ça avait l'air intéressant comme série.
De quoi on parle? Je sais pas. Il a fait quoi, le réalisateur de Dragon Ball Evolution? Surtout que les livres sur lesquels les X-Men se basent, il y a genre 6 livres. Ah. Hein, j'aurais juré qu'il y avait assez de matière pour faire une ultime saison pour tout conclure. Bah... moi, je te conseille de passer par l'établi, ça va te déposer tous les trucs que tu as dans ton inventaire. Ouais. Ok. Ah, le petit mecha. Très bien. Par contre, pas beaucoup de tungstène. Ok, très bien. Bon, allez. Je ferai du craft en même temps. Ah, pour Space 2063, c'est lui aussi qui a fait Dragon Ball Evolution. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on en a jamais entendu parler. Niveau sur les espèces de base, et genre 6 livres, j'aurais juré que c'est une sorte de faire une sensation pour tout le monde. Et non. Je sais qu'on n'en sait pas beaucoup plus dans le bouquin, mais il y a quand même une suite à l'histoire. Hein. Ça se passe, je crois, 20 ans plus tard. Ouais. C'est bad. C'est bad cette pièce. Hein, ça va te mettre oignon, chef. Ça va te mettre oignon. Faites demi-tour. Quoi? Ah non, on va pas dans le bon endroit en fait. Si, on y va. Bah, non, on n'est pas dans la bonne direction. Mais si, enfin, t'as bien appuyé sur. Ils ont détruit les systèmes vitaux. Vous êtes sérieux? Ils essaient de nous piéger. Mon truc me dit d'aller derrière. Il faut qu'on se tire. Waouh! Voilà. Aouh. Fais gaffe à ta vie. Mais ça arrive non-stop. Attends, t'arrêtes pas frère, je pense qu'ils vont arriver non-stop. Attends, j'ouvre la porte. Et parce que moi, il m'indique toujours derrière. Non, tu vas bien devant. Ok. Attends, t'es sûr que tu marques l'objectif là? Tu marques pas autre chose? Oula. Maintenant que tu le dis, non, je ne suis pas sûr. Je pense que je fais de n'importe quoi. Tu peux changer hein, ce que tu marques. Alors, hop. Donne l'oxygène. The Man in White Castle, la fin est bâclée aussi entre Happy End. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. La fin m'a déçu. C'est con parce que je trouvais que la dernière saison démarrait bien, mais finit de façon nulle. Ouais, un petit peu. Attention à pas trop spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Hein. Non, justement, je vais pas en dire plus. Non, mais je parle surtout aux journalistes. Je sais que la série est sortie à un moment, mais je on sait jamais. Ouais, mais la dernière saison, elle est sortie il y a pas longtemps de The Man in White Castle. Ouais, effectivement. Oh, mais en plus, ça reste quand même une bonne série, hein, moi, je trouve. J'ai vraiment bien kiffé. Oui, elle est cool. Bon, je préfère quand même le bouquin. Je préfère Wolfenstein, ouais. Mais... Ouais, c'est pas... Non, mais c'est nul ce que je dis, c'est même pas une adaptation, mais... Oh, t'as vu de fou. Mais oui, elle reste cool, il y a des très bonnes idées, et même je trouve des fois le bouquin il est adapté intelligemment en format de série. Ouais. Mais c'est vrai que juste des fois les choix sont nuls sur deux séries. Et en plus, il y a une saison, je vais pas dire exactement ce qui se passe, mais j'ai trouvé qu'elle a été frustrante parce qu'il y a des très bonnes idées, mais qui ne vont nulle part. Et les intrigues sont pas du tout soudées entre elles. Donc c'est juste, il y a plein d'aventures super intéressantes qui ne mènent nulle part parce que finalement on comprend pas vraiment les objectifs des personnages. Donc, ouais. Donc, enfin, c'est saison 3, mais je trouve ça très dommage. On s'arrête là? Bah écoute, ouais. Est-ce que t'es chaud pour aller faire une tier liste des pires séries qu'on ait vues dernièrement?
Allez, on va. Alors du coup, on va sur le grilly, c'est ça? Non, c'est sur le... C'est sur l'autre, à côté. C'est sur le Terra Nova. L'autre. L'autre? Mais oui, 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 en plus, il y a le marqueur dessus. L'autre autre. J'avais commencé Altered Carbon. Altered Carbon. Oh putain, la déception de cette deuxième saison. Pourtant, même la première saison, elle m'a un peu déçu en vrai. Moi, la première saison, j'ai trouvé très cool. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans la première saison. C'était et le cool, personnage mais... me plaît beaucoup. J'ai trouvé que le plot de l'histoire, en vrai, en surface, c'est cool. Mais après, quand tu comprends les vraies raisons, t'es là, genre, c'est nul. Ouais, c'est un peu naze sur la fin. C'est nul, en fait. Mais l'ambiance, c'est quand même vraiment cool. Ah ouais, bah là, du jeu Cyberpunk, vraiment mauvaise. À balle, hein. Et elle est cheap, la deuxième saison, à côté du reste. Ah ouais. Oh. C'est un bouquin, à la base. Mais de toute façon, la plupart des trucs, c'est des bouquins, à la base. On s'arrête là, du coup? Bah écoute, ouais. On a eu la sauvegarde, hein, donc... Ah, ça sauvegarde automatiquement, même si on est... Ouais, ouais, ça sauvegarde automatiquement. Ok, ouais. Ça roule. Bah écoute, ouais. Hop, ouais. Sauvegarder et quitter. Et bien... Et bah merci d'avoir suivi ce live sur Dead Space, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, et pour ceux qui sont avec nous sur Twitch. On va passer en Just Chatting tout de suite. Le Just Chatting. Alors... Donner envie de lire les bouquins. Ouais, ouais, c'est sûr. Ils sont pas mal, les bouquins, en plus. Il a pris un coup de vieux. D'ailleurs.